On y va. Hop, je pousse un peu le volume, histoire que vous ayez bien la mieux quoi. Et ce matin, on va faire de l'aventure golfique, les cocos, puisque hier, on a fait des matchs libres toute la soirée avec Curry. On a fait des bons gros duels en ligne. Bien sympa. Alors, on a trois fichiers, donc c'est parti. Je vais pouvoir jouer avec... Ah, ça, c'est mes comptes. C'est mes comptes eShop américain et japonais. On va jouer avec Pocket Shoe, semi qui a été refait. La main droite est actuellement main dominante. C'est parti. Voilà. Et on va commencer un petit peu. Alors, le mode online qui est un plaisir. Hein. Le mode online, le mode solo qui est un plaisir apparemment. Un petit peu lent, on m'a dit. Il faut skip quelques dialogues, donc je pense que je ferai pas de doublage. Mais sinon, après, c'est le mode principal dans lequel vous jouez votre mi. Enfin, le mode principal. Hein. Le mode dans lequel vous filez l'expérience à votre mi et vous faites progresser un petit peu votre personnage, etc. La customisation. Eh, fallait pas éteindre, vous les regardez ! Non, c'est Odette. Je doublerai pas tout, hein. Juste l'histoire, vite fait. Oh, pardon, j'ai cru que le match était terminé. Ouais, Mario venait de gagner avec un coup tellement fou que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Je voulais revoir la scène passer au ralenti pour analyser l'action. Mais ne fais pas la tête, Bill. La cérémonie de demain est bien plus importante que de regarder la télé. Oh, Birdo a bien raison. On devrait bien s'opposer cette nuit, je sens qu'il va falloir être en forme demain. Ah, merci, Boo. Ça fait plaisir de constater qu'il y a quelqu'un de raisonnable aussi. Bah, je dormirai quand je serai fatigué. Et puis, ça dort, un fantôme. Tu réussis à ne pas passer à travers le lit? Enfin, Bill, pose pas ce genre de questions, voyons. Bon, moi, je vais dormir. Je vais faire bonne impression à la cérémonie d'accueil demain. Bonne idée, Toadette. Quant aux autres, vous ferez bien de suivre son exemple si vous voulez pas être des cancres. Bah, ouais, mais point fort, c'est sur l'overdrive. Oh, putain. Oh putain, ça y est, on va nous balancer 15 termes de golf à la seconde là. Ah bah, au bras fort, c'est sur le drive, sur les ligues, elle pourra toujours courir pour rattraper, Toadette. Putain, ça a l'air d'être un gros beauf lui. Ah, la force brute ne suffit pas à gagner, il faut savoir aussi se maîtriser et pas avoir peur de jouer un petit layup. Oh, vous avez tous les deux tort, le maître mot du jeu c'est la finesse. Et sur ces entrefaits, nous arrivons. Ah, te voilà, on attendait plus que toi, approche. Oula, oula, oula. Ah, on a le hockey. Cher golfeur, je vous présente le dernier membre de votre groupe, Pocket Shoe. Oh, il a une voix de merde. Quoi? Encore quelqu'un? Tu as entendu ce qu'il a dit? Oh, pardon, je voulais dire, ravi de faire ta connaissance. Quoi? Ces dialogues n'ont aucun sens. Oui, la fédération de golf m'avait prévenu que l'autre personne arrivait un peu en retard. Bah, plus on est de fous. Mais au fait que vous, ton swing, c'est quoi ton meilleur drive? On sort se mesurer sur le green. Fais pas attention à lui, il a une balle de golf à la place du cerveau. Allons, vous allez vous entraîner ensemble, alors faisons les présentations, d'accord? Yo, Bulldozer, je frappe fort, bam, peu importe où va la balle, tant qu'il va loin, eh. Moi, c'est Toadette, je suis ravi de rencontrer un nouvel adepte du golf, on va pouvoir s'épauler. Je suis Boo, oui, Boo, et je boue d'impatience de démarrer l'entraînement. Vous avez compris, Hibou. Hibou. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Ouais, je vais faire un peu de muscu, parce que pour être le roi du green, il faut des muscles de platine, tout à fait. Et moi, je vais me coucher. Pour des muscles en pleine forme, il faut bien s'opposer. Ah, les masses considérations musculaires des êtres de chair et d'os. Putain. Ok. Super. Ok. Birdo, c'est la maman de tout le monde. Ma chambre est tout au bout du couloir. D'accord. Bon, on va éviter de doubler tout du long. Est-ce qu'on peut courir ou pas, hein? Chambre de Toadette. D'accord. On peut pas courir. Chambre de Bulldozer, chambre debout. Ma chambre. Très bien. C'est pas très bien décoré. Allons nous coucher. Profitons de la nuit. Le directeur du club devant le clubhouse. Ok, d'accord. Ah, je suis rentré dans la chambre de Bulldozer. Mais il est pas là. Non, c'était la chambre debout. Oh putain, mais c'est quoi ça? Mais... C'est une vanne sur Pokémon? C'est une vanne sur... On est d'accord que c'est une vanne sur Pokémon, là? Ce plan-là. Ok. C'est parti. Dernière chose. Ok. D'accord.
Bon, il faut qu'on soit le meilleur au golf, hein. C'est notre voyage pour être le meilleur au golf. Ah oui, d'accord, Erascot, c'est la ville de début, c'est pour ça que ça avait un nom bizarre, ok. Ok, est-ce qu'on peut courir? On peut tourner la caméra, ça c'est impressionnant, ça. Ok, bon, il faut que je sois Badge Chrome. Ok. Ok, bon après l'aspect... Le rookie dont tout le monde parle, le golf d'Escarotte, on trouve en pratique les parcours hors pair. Certains golfeurs viennent parfois jouer de loin ici. Je peux donner des fichages là, tu peux voir une carte détaillée du golf d'Escarotte, n'hésite pas à la consulter. Ah. Oh, d'accord, tout est... D'accord, ok, c'est vraiment une carte de la ville. Bon, la carte est jolie. Moniteur chef, c'est qui ça? Oui. Ok. D'accord. C'est lui le directeur, mais c'est juste un coupable. Avec ses petites chaussures, regardez-le. Putain, mais même les autres membres du cast ont un chara-design plus développé que celui du directeur. Ça veut tellement dire qu'on va changer de club. Ok, ok. Ok. Une montre connectée qui consigne vos activités, vos scores et propose plein d'autres fonctions utiles. Ok. Youpi! Ok. Un prodige en herbe un peu comme le green, putain, c'est terrible. J'ai activé ma montre connectée. Ok. Oh, j'avoue qu'effectivement ça met du temps quand même, hein. Ok, le badge acier, lorsque vous tenez le badge platine sur le sommet de la pyramide de vrai pro. Pour améliorer votre badge ou de participer à des tournois, votre montre connectée sera mise à jour automatiquement. On va être formé par un Toad? Oh là là. Ok. Le Kali Master voulait me voir. Ok. Avant que je n'aille au practice. Si le chemin sur la gauche, tu ne regretteras pas. Eh ben très bien, on y va. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu de votre monde connecté. Depuis celui-ci, vous pouvez retourner au menu principal en appuyant sur machin. Plus. Ok, donc là on a la carte. Là on a la fiche de mon perso. Là on a mon équipement. Quand je joue au golf. Et le journal d'aventure, remise de la montre. Ok, d'accord. Très bien. Putain, mais c'est insupportable, on peut pas faire deux passes sans être interpellé. Il va me donner mes clubs, c'est ça? Oui, je suis bien évidemment là pour récupérer mon barda. Waouh. Quatorze clubs. Ce qui te fait un demi-jeu de club, tu peux emporter davantage si tu veux, mais tu seras moins rapide. Suffisamment jacassé, ce sac de golf est pour toi. D'accord, ok, si on porte plein de golf, on est moins rapide. Donc en fait, il faut qu'on se fasse une petite sélection de nos golfs. Un demi-jeu dans ton sac, il faudra bien choisir tes clubs selon ton style de jeu, mais pour débuter, cette sélection devrait te convenir. Très bien. Il suffit de venir ici et d'adresser à moi si tu veux modifier ton choix de club. Ok. Le Kali Master. Allez, bon, on va aller frapper quelques balles du coup. Ah.
C'est par là? C'est une autre partie de la ville, ok. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Waouh! Ça s'étend à perte de vue. Est-ce que je peux tracer par là ou pas? Ah non, c'est limité, c'est dommage. C'est joli quand même. C'est tout plat, mais c'est joli. Alors, les textures, c'est vrai que c'est vraiment plat, quoi. Oui. Non. Merci. Avec ton driver, tu vas devoir envoyer la balle sur la cible placée là-bas sur le fairway. Pour que la leçon soit réussie, tu dois marquer 60 points au total cumulés sur plusieurs exercices. Sur le premier exercice, l'objectif sera de frapper un coup de départ qui permette sans trop de difficulté de réaliser le par sur ce trou. La cible est placée sur un endroit idéal ou arrêter la balle sur le fairway pour bien se placer pour le coup suivant. D'accord, ok. Donc là, c'est un premier cours sur le placement. Oh, c'est terrible par contre. On va avoir des tutos comme ça tout du long. Il faudra tenter de faire arrêter sa balle sur le secteur bleu foncé de la cible pour marquer un maximum de points. Ok. Oh, putain, mon drive est à 146 mètres. Oh, c'est terrible un drive à 146 mètres. C'est très mauvais. Bah on y va tout droit hein. Allez, super backspin. Et on y va. J'aurais dû lever la balle un peu plus en vrai. Oh quoique en vrai là on va être bien hein. Le backspin va m'arrêter. Voilà, très bien. Bon c'est un peu très facile là en vrai hein. On recommence. On recommence. Bah là c'est quand même vraiment très simple hein. Je touche même pas la direction. Je sais pas s'il y a du vent ou pas. Y a pas de vent et du coup c'est re la même. Mais je vais faire ça combien de fois? Parce que bon, je vais être consistant sur ce coup moi. Je vais être consistant. Mais je suis devant la barre de charge. Il faut que je me mette là plutôt. Il faut que je me mette là pour que vous ayez un bon overlay. Pour que vous voyez bien tout ce qu'il faut. Bon, où est-ce qu'on en est? Encore? Ah j'ai tiré un peu fort là. Je vais peut-être faire moins de points. JK, le super backspin, ça arrête toujours la balle instantanément. Putain, mais c'est tout, mais c'est vraiment une vanne. Décidément. Putain, heureusement que j'ai pas demandé à avoir le tutoriel en plus. Ah. Ok. Second exercice, nous jouerons encore avec 5 drives. Mais en visant cette fois-ci un birdie sur le trou avec un jeu plus agressif. Ok. Donc là, on va essayer de taper là et de mettre un top spin. Je vais dévier. Non, c'est bon, ça va. Trop loin? Non, c'est bon. Et alors, il n'y a aucune variation sur cet exercice, quoi. Il n'y a aucun moment où ma balle va partir à gauche ou à droite. C'est vraiment uniquement uniquement mon lancer qui est jugé, quoi. Huitième coup, c'est terrible. En vrai, on est tranquille, hein, là. Vraiment très facile ce premier exercice. Hop, même en étant de là, vu que je fais un top spin, je suis bien, je vais atterrir sur le début de la cible. Ah, oula. Si, c'est bon, c'est 10 quand même. Dixième coup, bon là, peut-être qu'à un moment... Ouais, je suis encore hein. Facile ce jeu au début. En vrai le mode aventure golfique à partir du moment où, enfin, si vous avez déjà joué, je pense que effectivement, comme disait Curie hier, ça va mettre un temps à se lancer quoi. Joli. Ok, 100 points, 500 pièces. Ah oui d'accord, et en fait là on gagne de l'XP. D'accord, ok. Et on gagne des pièces, ok. On va peut-être bourrer notre puissance un petit peu. Quand même.
Parce que là, en vrai, faire des drives à 146 mètres, ça va être compliqué au niveau de l'aventure. Bravo, tu as obtenu moins 60 points et donc tu as validé cette leçon. Ok. Alors, pour améliorer encore la pression de tes coups, tu dois te concentrer à la fois sur le carry et la course. Non, c'est bon, je connais le carry et la course. Merci. Il y aurait eu des trucs que j'aurais bien aimé savoir. C'est les effets d'une balle basse et haute. J'imagine que quand elle est haute, t'as plus de prise au vent et plus de prise en compte de ton effet si c'est un backspin. Mais si tu fais une balle basse, t'as moins de prise au vent et plus de topspin. Bref. La leçon d'entraînement aux approches. Bah vas-y, on y va. Non ! Ah putain, d'accord. Ça va. Il faudrait que le carry de ta balle couvre à peu près 70% de la distance jusqu'au trou. Ensuite, la balle roulera jusqu'au sol, la distance qui sépare encore le trou. C'est la course. Cherche à arrêter tes coups d'approche à 1 mètre au maximum du trou. 10 points, tu as 3 balles pour y parvenir. D'accord, il faut que je réussisse à faire une balle très proche du... Ok. Ah, mais il n'y a encore pas de vent, là. Il faut que la balle s'arrête. Ok, d'accord. Ah, trop loin. Trop loin. J'aurais dû plus la lever. Oh, ouais, j'ai touché le drapeau, là. Ouais. Plus 8. Trop peu. 10 points. Oh! Joli. Facile. Il fallait que je fasse 10 points. Tu as réussi à maîtriser des proches. C'est crucial pour un bon score, je crois que tu es prêt à passer à l'exercice suivant. Sur cette approche-ci, les distances sont les mêmes que précédemment. Le green est à 9 mètres et le trou 18 mètres plus loin. Ok, cette fois-ci, tu as une montée de 27 mètres en prenant compte. Tu dois donc frapper un peu plus fort ta balle pour lui donner plus de carry. Essaie de faire s'arrêter la balle avant le drapeau pour simplifier le pote. 10 points, mais c'est vraiment naze. Enfin bon, bref. Trop loin. Hello Indy, comment tu vas? La forme? Oh là là, pas assez loin du tout. Oh, quoique. Oh, c'est pas mal. Bon, là, c'est nul, là, en vrai. 10 points à nouveau. Bon, écoute. Joli. Facile. Je suis dans un néant très acide. Gueule de bois? Tu as réussi, Tash Dorman, pas oublier ce que tu as appris sur les importants points, ça prend ce que celle qui est plus, tu sais leur pratique t'entraîner, les approches en descente, c'est délicate à jouer, car il est facile de dépasser le trou. Ok. Ah, trop fort. Trop fort. Je vais taper le... Oh. Là, c'est mieux déjà. Oh, je tape le drapeau comme un sac. Le bruit du drapeau, il fait pas du bien quand même. Hein. Il est pas agréable à entendre. Hein. Il est pas agréable à entendre du tout. Ok, très bien. Multi-XP et de l'argent. On va encore bourrer notre puissance pour avoir un meilleur drive. Sinon, pour l'instant, le reste, on s'en tape un peu, je pense. Ok. Bon. L'explication du putt. On est sur un putt plat. Très bien. Ah, c'est facile quand même là. Je comprends pas ce qu'ils attendent de nous là. C'est plat. Y'a rien à faire, ça y va quoi.
Ouais, facile en même temps. Alors, ça c'est plus chiant, on a une pente de face. 20 cm de mi-colline. Ok. C'est juste de face en fait, faut juste taper un peu plus fort. Par contre, j'aimerais bien qu'il nous fasse faire un dénivelé sur le côté. Parce que ça, effectivement, pouvoir retenter plusieurs fois les mêmes coups avec les mêmes conditions, c'est bien pour apprendre. Et là, vu que moi je sais déjà ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aimerais bien qu'il nous fasse faire une balle courbe. Ce serait intéressant, plutôt que de faire une pente. Super. Trop fort ? Non, c'est juste nickel. On est arrêté par le poteau, c'est parfait. Allez! Facile. Joli. Ok. Deux niveaux à mettre. Alors attendez, si j'augmente quoi que ce soit, je perds de la vitesse, c'est ça? On va augmenter notre précision, mais ça fait chier, il faudra qu'on augmente de vitesse. Il y a des niveaux où si tu fais des trucs, tu perds des stats. Donc en fait, il suffit juste de bourrer les stats à monter, c'est tout. Ok, bon. Ça a l'air d'être bizarre comme système de montée de niveau quand même. Alors, beau toucher de balle, très bien. Super, qu'est-ce que c'est? Rendez-vous sur le parcours novice. Oui. On va faire le défi des putes. Des putes. 9 balles pour obtenir au moins 80 points, vas-y. Ok. Bah là c'est plat donc on s'en fout. C'est quoi son problème? Je comprends pas où est-ce qu'il veut aller. Ce qui est mal, c'est que pour l'instant on n'a pas touché aux directions des balles. Donc bon, j'ai peur des tutos qui vont arriver par la suite parce qu'effectivement là ça met du temps quand même. Hein. Voilà, ça allait vite là. Ça rentre quand même. Allez! Joli! Un niveau en plus. Ah, et là on a le choix entre la vitesse ou l'effet. On va commencer à monter l'effet, je pense. La vitesse, on s'en tape un peu. D'accord, donc en fait on va pas avoir le. Ok. Ça va être bizarre en vrai. Hein. Suite à l'amélioration de votre aptitude d'effet, vous avez à présent plusieurs sections sur la jauge pour incurer la trajectoire de vos coups. Non, pas d'explication, merci. Ok, donc à partir du moment où t'as 4, t'as plusieurs jauges. D'accord, on va pouvoir faire des trucs marrants. T'as eu de la chance et tout, ok, t'as gagné. Si tu veux, tu peux tenter ton défi. Ok. C'est tout? Rendez-vous sur le pas. Ah mais ça, c'est des défis en plus. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Lui, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Il va nous faire faire son carry à la con. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire leur défi à la noix? Ou est-ce que j'ai pas juste envie de skipper le tuto et de bourrer un petit peu le jeu? Parce qu'en vrai, là, bon. Quête annexe, c'est mignon, mais bon. Alors. Mais putain, il est où le parcours novice, là? Ah, il est là. Ok. C'est parti. Là-bas,
Donc en bleu, c'est les quêtes annexes en fait. Le truc qu'on a fait tout à l'heure, c'était pas nécessaire. Allez, c'est parti. J'ai pas vu ce que je devais faire, mais j'imagine que je dois faire 3 trous. Terminer 3 trous avec un score de plus 5 ou mieux. Ça va aller. Attention. On a un drive à 152 mètres, c'est tragique. C'est tragique ce drive à 150 mètres. On va se laisser porter par le vent, je pense. On va foutre un top spin assez vénère avec un coup vers le haut. Et on va se laisser porter par le vent, je pense. Voilà, c'est réussite. Ouh, le rebond pourri là. Ah, dans le semi-rough. Dans le rough ? Oh, c'est dur. Je pensais que le vent nous porterait plus que ça. Faux plat en descente. Avec un vent qui nous porte. Ok. On va décaler un peu par là et on va faire une trajectoire de balle vers le bas puis vers le haut. Pas oublier qu'on est en descente et qu'on a le vent qui nous porte. Vers le bas, puis vers le haut. Ouf, ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin dans le bunker, fait chier. Par 4, on n'y est pas. Hein. Ce premier coup m'a pas mis très bien là. Ce deuxième non plus en vrai. Pas que j'oublie que je suis en montée. Ok. 1,2 mètre, très bien. Bon, c'est impar là. C'est marrant de voir ma jauge divisée en plusieurs trucs pour effet là. Je pense qu'à partir du moment où t'as 3 effets, t'es pas mal. Tu peux faire des balles un peu salopes. Un peu courbes. Je me demande si c'est vraiment possible de faire genre des vrais gros zigzags de fou. Bon là pareil, on va se laisser porter par le vent. On va tirer là. Merde. Ouh, j'ai dévié sur la droite en plus. Ok, tout va bien. Il y a cet arbre de merde là. Je vais essayer de le tirer comme ça. Ok, l'effet sur la deuxième partie. L'effet sur la deuxième partie de la balle, c'est vraiment. Oh là 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 là. C'est fou en vrai. Ah, les deux jauges d'effet, c'est incroyable. Tu peux faire une balle droite qui va ensuite se mettre à tourner, c'est fou en vrai. Mais je peux mettre des balles, des effets sur le green aussi. Ça donne quoi? Faudra que j'essaye ça en vrai. Bon là c'est plat, on est d'accord, on a juste à bourrer. C'est plat, y'a rien, ça y va. Ah, y'a un birdie. Dernier trou. Un vent contraire, on va aller un peu comme ça. On va faire une balle basse, je pense. Pas être trop impacté. Et
Et on va la faire, voilà, remonter un petit peu sur la fin pour ralentir bien avec un top spin, avec un backspin. Super. Sur le green. Putt de birdie. Putt de birdie. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une pente contre nous et on va légèrement. Je pense qu'on est bien là. Oh, c'est incroyable! Beau birdie. Beau birdie! Bon, voilà, le plus 5, on n'y est pas encore. Hein. On est mieux. Joli. Et donc là, multi XP. Oh là là! Oh là là! Ok. 3 trucs à mettre. On va mettre de la puissance. Et merde. Ça fait les mêmes trucs là, on est d'accord? Ouais, voilà. Oui. Ok. Tu as 10 minutes pour terminer 1 par 3, 1 par 4 et 1 par 5 en obtenant un score total de 3 coups au-dessus du par au mieux. C'est du speed golf, alors tu devras aussi courir jusqu'à la balle pour chaque coup. Et bien, c'est parti. Allez, pour l'instant c'est vraiment très facile. Bon, on n'a pas d'endu par contre, donc c'est le seul souci qu'on a. Attention. En hauteur. En hauteur avec un vent de 5 mètres par seconde, on va tirer là. On va faire une balle qui va être basse, je pense. On va essayer d'attirer au max. Allez, c'est parti. J'ai pas vu où est-ce que j'avais atterri. Green. Très bien. Ok. Putt de birdie. Il y a une pente contre moi et une pente sur le côté assez vénère. Trop fort. Trop fort, beaucoup trop fort. Échec. C'est dommage, c'est un par. Et en plus, on se remet de l'autre côté. Tout aussi loin. Beaucoup trop fort. C'était beaucoup trop fort tout à l'heure. Bon. C'est un par. Très bien. Allez, trou suivant. On a pris qu'une minute pour celui-là. On est tranquille. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est que ce trou de fou? Faut que je me laisse porter par le vent, là. C'est parti, hein. Ok. C'est pas fou la jauge d'endurance là. Ok. Alors on a une pente, on va jouer comme ça, on va jouer au drive. On a une pente qui va nous emmener dans ce sens là. On est en hauteur encore. Là on va jouer bas je pense. C'est chouette. Ça fonctionne bien. Il y a Indy peut-être encore, je sais pas s'il est encore là ou pas. Je pense que... le réveil a dû être difficile du côté Indy. Ah, jusque tard. Ah, c'est risqué dans le star. Faux plat en hauteur, 28 mètres max. Qu'est-ce que fait? Tu files? Bonne journée. Attendez, 2 secondes les viewers. Je vais lui faire un bisou, je reviens. Désolé, mais il fallait quand même que j'aille lui faire un bisou, c'est ma chérie quand même. Quand même, elle va au travail un samedi, vous vous rendez compte? Travailler un samedi? Putain, l'enfer.
Imaginez, vous vous levez tous les samedis et à 9h vous êtes en train de faire un truc. Hyper régulièrement. Tout le temps. C'est horrible, vous imaginez? C'est chiant ce ref là. On va le faire bas notre truc. C'est tout pété. Oh là, c'est pas mal comme coup ça. Trou à 1 mètre. Bah voilà. Un birdie. Ah non, un par. Joli par. Joli par. Putain, le commentateur. Le commentateur, il est blasé quand tu fais un. Joli par. J'en ai rien à battre. Attention. Putain, mais what the fuck? Mais ils sont malades! Le vent est contraire, donc balle basse. Oh putain, c'est chiant ça. Balle basse, into courbé. Ouais, ça va être ça, hein, je pense. Hein. La courbure! On court plus lentement dans le rough, j'ai l'impression quand même. Où est-ce que je me suis mis là? Ah, j'arrête. Non, j'avance ou pas? Non, j'avance pas quand je fais ça. Oh là là, mais regardez-moi ce tir de champion là. Pff, je suis incroyable, ça me saoule. Le vent est contre nous, donc on va encore faire une balle basse. On va pas se mettre trop là, on va se mettre plutôt là. Ah, merde! J'ai fait un backspin, je suis trop con. Bah c'est débile. Bon, c'est pas grave. En vrai on est en descente donc ce sera très bien. Bunker. Oh. Comment est-ce que j'ai mis la balle dans le bunker? Hein? Putain, le par 5 là Oh, la balle dans le bunker qui saoule. On va faire une balle bien haute du coup hein. La prise au vent va être horrible. Faut qu'on se remette sur le fairway. Paf, bien haute. Allez. La prise au vent va être dégueulasse. Ok. Joli. Quatrième coup, joli rattrapage. Tu es bien, merci. On va faire une balle basse, backspin. C'est ça que t'appelles basse? Bah mon con. Allez, le par. C'était marrant ces trucs où il fallait faire des gros drives de fou là. C'était marrant. 4 minutes 49, 1000 points. Pas mal, beaucoup d'XP du coup j'imagine. Ouais voilà. On va pouvoir encore pousser notre drive. Il faut qu'on... on est en permanence en train de perdre de la précision quoi. Ou des effets. Bon les effets en vrai j'ai une jauge de 2 pour l'instant donc je m'en fous un peu. C'est suffisant. Pour l'instant c'est suffisant. C'est chouette en vrai, tu commences à faire des trucs vraiment chouettes avec des effets de 2. Ok. Tu as réussi, bravo. Allez, c'est parti. Alors, moi je regrette qu'on puisse pas courir dans cet environnement là. La boutique. Attendez. C'est plus? Ouais, c'est ça. On peut pas? Ok, d'accord. J'ai tellement un drive, mais si faible. C'est terrible. Tenue de golf de tous les jours et chaussures de golf de tous les jours. Attendez. Moi, je veux aller à la boutique, moi. C'est où déjà la boutique, par là, là? Elle est dans le coin, non? C'est quoi, ça? Boutique de fringues. Les sacs de golf sont interdits dans le clubhouse. Veux-tu poser les golfs au vestiaire? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il faudra que je retourne les chercher? Télémètre permet avec la montre connectée de mesurer les distances pour aider à planifier les coups. Ça, je m'en tape. Driver super champignon donne à la balle un effet de top spin. Je comprends pas.
renforce la puissance des effets de backspin et de super backspin avec ce putting wedge mini champignon. Ah oui, donc tu peux faire des backspins. Ok, tenue d'endurance, réduit la consommation d'endurance. Et les pertes de vitesse sur le off. Ah ouais, très bien, on va acheter ça. On va acheter ça, pardon. Merci pour ton achat. Incurve la trajectoire à l'opposé de la main dominante. Hybride 5, banane à draw. Mais c'est dingue en fait, ils ont des trucs qui ont des effets de fou en fait. Tu peux avoir des clubs avec des effets de malade en fait. Incurve la trajectoire à l'opposé de la main dominante. Donc à l'opposé, ça veut dire que c'est la. Ça veut dire qu'en gros on peut faire des gros trucs de malade vers la gauche. Je sais pas si ça m'intéresse beaucoup d'acheter ces deux clubs. En vrai. Parce que je pense que les trajectoires courbes, tu veux les faire sur des longues distances, non? Quoique. Et ça, c'est pareil, le fait de donner un effet de top spin en plus. Bon, on va voir ce qu'on va aller chercher. J'ai pas équipé par contre mes trucs, c'est ça? Ok. Ah, ça y est, ils sont équipés, ils sont là. Alors, maintenant, je vais là, c'est ça? C'est ça, ok, d'accord. Bois 5 standard. Ah oui, donc là, j'ai plus de... D'accord, ok. D'accord, ok. Ok, ok, ok. D'accord. Si je porte plus de trucs, je suis alourdi. D'accord. Ah ouais. Oh putain, mais c'est vénère. En vrai, hybride 3 reçu dans le... 133 mètres. On va jouer avec le, on va jouer avec le set qu'ils nous ont donné au début pour l'instant. Vu que je connais pas bien à quoi servent tel ou tel club. Sand wedge, approach wedge, pitching wedge standard. Et ben pourquoi je les ai pas équipés ceux-là? Wesh, comme disent les jeunes, comment tu vas Aldruin? Ils ont pas mis le putting wedge dans mon set de... Bah je vais le prendre. Je suis obligé de le prendre le putting wedge. J'en ai trop besoin. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis dans le set de jeu de base? La prot wedge par contre je suis pas encore assez, assez doué pour le faire. Tenue endurance et chaussures machin. Mais c'est dingue, ils avaient pas mis le putting wedge dans mon truc de base. Je vais enlever un fer pour éviter fer 6 c'est 111 mètres, fer 9 c'est 89. J'ai quoi en dessous du fer? J'ai le sand wedge et le putting wedge. Ah non, pitching wedge, pardon. Ah j'en ai pas besoin du pitching wedge, pardon. Ah mais du coup le putting wedge il est de base dans mon... D'accord, ok, ok, c'est bon. Ça va toi, enfin samedi. Et en effet, enfin samedi. Moi ça va super bien, je suis en train de jouer à un jeu qui me fait bien kiffer là. Franchement je trouve que c'est... Je trouve que le jeu est très agréable. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Ok. Allez. Le jeu est super, on est sur un jeu de golf qui est vraiment très très bien, très très bien designé, très fidèle. Enfin, en gros, c'est un jeu qui est assez précis, qui a un aspect un peu arcade aussi quand même. Donc, les plus aigris pourront lui reprocher un petit aspect aléatoire sur la, sur la précision et en même temps, bon, j'ai vu beaucoup de gens sur Reddit qui disaient « Ouais, je suis un vétéran de la série, c'est un scandale. » Bref. On a un vent derrière nous, on va juste bourrer je pense. Top spin. Et on va tracer. Il y a Toad qui a mis son plus gros sprint derrière moi là. Alors je me suis mis où là? Toad qui a défoncé Yoshi en arrière-plan, vous l'avez entendu ou pas? C'est un scandale. Ce qui se passe sur ce green. C'est un scandale, ils sont en train de se défoncer derrière. on va encore driver, je pense. Un jour, j'ai plus courte du coup. On est en montée en plus, donc là, on va essayer de profiter du vent, je pense. On va essayer de profiter du vent. Merde, j'ai fait de la merde là, je crois. J'ai voulu mettre trop de direction opposée. Regardez les deux qui se tapent là. Vous avez fini de vous taper, oui? Sur le green. Sur le green, bravo.
tu as réussi à ne pas le mettre dans l'eau. Allez, Maurice. Putt de birdie. Je suis à combien de mètres là? Je suis à 6 mètres. À tirer comme ça. Un peu plus fort. Et voilà! Birdie! Hello Ruby, comment tu vas? En vrai, le coup était pas mal. Ouais, ouais, là c'est sympa. Alors, ce qui fait chier par contre en mode, non, voilà, en mode comme ça, c'est qu'il va falloir attendre que les IA fassent leur merde et elles font des bogeys, les IA. Donc. Le mode aventure est compliqué quoi. Ah. Ça va, comme un samedi matin sur Mario Golf. Moi, tu sais, c'est vraiment. On est quoi? On est en montée là? Vent contraire, balle basse. Oh, putain, merde, balle basse, on a dit balle basse. Putain, je l'ai monté. Ah, mais je peux aussi donner une diagonale un peu. J'ai donné une diagonale. Putain, en fait, les effets se mettent au stick. Oh là là, ça commence à devenir vraiment très précis là. Ah, du coup, je fais de la merde. Terrible. Donc, en fait, tu peux faire les effets à la croix ou tu peux faire les effets au stick. Et là, vu que je l'ai fait au stick, il a une diagonale vers la gauche. Ok. Bon, il faudra qu'on prenne ça en considération, mais les effets peuvent être du coup vraiment très très balèzes. On est sur un ça. Est-ce qu'il faut pas que je fasse un gros putt de fou là? Un putt long. Sachant que j'ai une montée et une. Faut que je fasse un putt long. Sachant que j'ai de la montée et une pente légèrement vers là. Est-ce que j'ai réussi à faire un truc stylé? Oh dommage! Oh! C'est quoi? C'est le trou du par là, c'est ça? Oh la tristesse! J'avais quasiment trop bien calculé mon coup. J'avais quasiment trop bien calculé mon coup. Terrible. Ok, bon, il faut que je fasse attention à pas. Je pense qu'il faut que je fasse les effets à la croix. Les effets au stick, ça va être risqué, non? Attention. Ok. On a un vent qui va nous porter. On va juste bourrer avec un vent qui porte, et puis voilà. Hein. Let's go, hein. Je pense qu'on est parti, hein, là. On s'en fout, hein. Dégage, Toad! Non, Yoshi, pars-toi. C'est un... Non! Non! Oh, le salaud! Par contre, je prends l'aspiration des autres joueurs, apparemment. On prend l'aspiration... Mais Toad, il m'a vraiment foutu une tatane pour me foutre une tatane, ce salaud! Toad, vraiment, il a la haine, là. Ok. Je pense qu'on va juste tirer comme ça. Pareil, à nouveau porté par le vent. Let's go, on y va. Putain, Toad, il a la haine. Il y a de l'aspiration comme dans Mario Kart. Ouais, 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 c'est vraiment genre. Je peux avoir le cœur. C'est Yoshi qui va le prendre. Non, c'est bon. Tout va bien. Oh, j'ai une sale pente par contre là. J'ai une sale pente. Alors attendez. On va faire un effet rigolo, vous allez voir. On est en grosse montée là. Hein. Regardez l'effet de la balle qui commence à décoller à la deuxième moitié de la trajectoire. C'est incroyable de faire des trucs comme ça, je trouve, en vrai. Sur le green à 10 mètres. Ok. C'est pas mal. Oh non, Toad, il va prendre le cœur. Ah, c'est bon, ça va. Oh, je me suis tellement bien positionné. Ah, les effets de balle, c'est fou. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? C'est putt de birdie. Putt de birdie, putt de birdie. Donc, j'ai une descente et ça va être à peu près plat. Non! Oh, je me suis fait arnaquer par la descente! Eh ben, c'est un par. J'étais bien, mais pas assez rapide. Je sais pas si c'est de l'aspiration du coup, Ruby, en fait. À y réfléchir, j'ai l'impression que ça se déclenche un peu tout seul par moment. Donc, on va voir. Tu comprends absolument rien aux effets de balle? Bah, c'est facile. Alors, si tu veux, je t'explique le gameplay vite fait. En gros, tu remplis ta jauge deux fois. La première fois, c'est un truc qui fait comme ça pour que tu saches où l'arrêter.
Ok. Et la deuxième fois, il va remonter. Et pendant la remontée, j'ai des sections sur ma barre. Regarde. Tu vois, j'ai des sections sur ma barre là. Ici, une et deux au-dessus. Et en gros, dans chaque section, je peux mettre un effet. Là, on a un vent de 2 mètres secondes un peu contre nous. On va passer par là, je pense. Et puis, on va juste faire une balle très basse en top spin. Basse, basse, basse. C'est parti. On s'est bien mis, je pense. Ouais, ma balle s'est bien mise en vrai. Ok. Là, c'est reparti. On va refaire un drive. On va juste bourrer, je pense. On va faire attention à pas foufou. Et on va la faire basse à nouveau, à cause du vent contraire. J'aurais pu mettre une légère diagonale aussi. Ça aurait été envisageable. Fairway green à 9 mètres. Bon, il va falloir faire un truc de fou si on veut marquer Si on veut marquer ce point en 3 là, faut faire un truc de dingue hein. Ouais non. Allez, ça va être un par. J'étais pas loin, c'est dommage, mais ça va être un par. Hop. Les effets sont assez faciles à comprendre et j'aime bien la segmentation en plusieurs. Enfin, la partie. L'aspect ta barre se divise en X parties en fonction du niveau d'effet que tu mets. Enfin, du niveau d'effet de ton personnage. Et tu peux trigger ton effet plus ou moins loin dans la course. Je sais pas comment est-ce que c'est possible physiquement, mais tu peux réussir à déclencher tes effets plus ou moins loin dans la course de ta balle. Vent arrière, donc là on va juste faire une balle bien haute pour être bien carré par le vent. C'est parti, bien haute. Voilà. Allez, on va essayer de défoncer Toad au passage. C'est raté. On va essayer de défoncer Yoshi au passage. Oh, bâtard de Toad. Putain de petit bâtard. Ok. Ah, il a défoncé Yoshi. C'est pas gentil ça. Ok. Allez. On va drive encore. On a une trajectoire qui est pas sympa. Et on va encore se laisser porter par le vent. Et je pense qu'on va tirer comme ça. Ok. On a un coup sympa là. Ok. Par 4? Putain, mais comment est-ce qu'on est censé réussir un birdie là? Il faut juste avoir un gros drive de fou en fait sur ces trucs là. Bon, il faudra que je pousse mon drive en vrai. Hein. Alors la balle est haute par rapport à moi. J'ai une pente. Le vent est dans mon dos. Oh, le froufrou de Yoshi. C'est dur. C'est dur pour Yoshi. Ok. Légère montée. Allez, le par. Facile! On arrive sur le 6ème trou là, c'est ça? Ok. Bon, encore 4 trous. Là, eux, ils sont en train de terminer. Ils vont se rater, tu vas voir, ça va être terrible. Il va mettre un vieux bogey. Non, c'est bon, ça va. Ah, si, c'est un bogey! Ah, Toad, il a mis un double bogey! Oh là, ils sont nuls. Il faut vraiment qu'on augmente notre drive, c'est terrible. D'ailleurs, l'autre au début du jeu, quand il a commencé à dire ouais, l'overdrive c'est le plus important, c'est de la merde en fait. L'overdrive ça existe pas si. Attention. Coucou Curie, comment tu vas? On est quoi? On est en descente là. On va se mettre légèrement en dessous. On va mettre un. On a un vent dans ce sens là. On va mettre un backspin et une balle basse. Ils sont où les autres là? Ils sont déjà partis loin devant. Oh putain, ça va. Ils vont prendre le cœur, tu vois, ça me saoulait. Je suis où là? Je suis sur le green. Oh là là, trou à 4 mètres, mais je suis un génie. Regardez là, les deux autres qui sont derrière encore là en mode. Ah, qu'est-ce qui commence? Comment ça se fait?
cut de birdie. Descente. Descente mais pas trop donc ça va bien. Nice. Beau birdie. Beau birdie. Et alors c'est marrant parce que dans ce mode de jeu là, le jeu ne vous fait pas comme dans les défis solo, je sais pas si c'est parce qu'il y a des IA ou quoi. Quand vous faites du mode vraiment purement solo, c'est-à-dire que vous avez aucune IA avec vous, etc. La caméra elle se fait des petits kiffs quand vous approchez des trous, genre elle vous fait un petit truc en mode ah. Et des fois ça fait bien rager parce que t'as un gros zoom de la caméra sur le trou, t'es en mode putain ça va passer. Pas du tout. Trou 7. Vent à 4 mètres par seconde par là, on va juste faire un truc bien bas. Avec un bon drive. Un bon top spin, pardon. Pas. Je suis en train de se tataner la gueule. Là, ils vont partir avant moi. Oh. Et ils prennent pas les cœurs, ce bande d'andouille. Ils savent pas jouer aux jeux vidéo, c'est terrible. Je pense qu'on va tirer comme ça et on va mettre un effet. Elle fait des travelling et tout plan épaule, ouais c'est terrible en vrai. Je vais arriver là. Je vais faire une balle normale sans effet je crois. Quoique. Voilà, et là regardez, paf, l'effet va se mettre à se déclencher maintenant. Oh là, trop, beaucoup trop, oh là, beaucoup trop. Malheureux. Oh, je suis complètement dans le... Oh là là, je me suis mis dans le bunker, quel connard. Oh là là, j'ai mis un effet trop bourrin. Regardez, ma balle, elle a complètement dévié comme ça, là. Ok. Bon, sur un par 4, ça se sauve, ça, en vrai, par contre. Hein. On a le vent dans le dos, très léger. On est quasiment dans un trou. On va faire une balle haute, je pense, avec un backspin. Merde, non! Ah, raté! Oh, j'ai fait une balle basse de merde! Je me suis planté, j'ai inversé mon stick. Bon, c'est pas grave. Avec une balle haute, je l'aurais peut-être mise. C'est pas grave. Joli part. Joli part. Bon. On est sur le trou 7 là, c'est ça? Trou 8. Oh, la pluie, ça va être chiant. Les effets sont negate. Vent contraire en plus. Et bah c'est génial. Et en montée. Et bah on va se marrer. Ah non, c'est en descente. Et il montrait le cours dans l'autre sens. Bon. Vent contraire. Écoutez, ça va juste partir en top spin. Avec une balle bien basse. Voilà. Les moutons. Ah putain. J'ai rebondi sur le mouton. La puce ça mouille. Ah c'est terrible en vrai. La puce c'est terrible en vrai. Je trouve que c'est vraiment la pire condition météo dans le golf. Le truc qui fait que le gazon il colle là. Pas agréable. On a une pente. Toujours en vent contraire. En montée. Ah bah si j'avais raison en montée. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont... Ah j'étais en descente par rapport au début du... Ok d'accord. Et on va tirer comme ça. Ah merde. Quoique. Quoique. Oh merde, et en fait c'est un coup de génie. Ah je suis dans le rough, mais vas-y. Putain, la déviation qui casse tout, l'aléatoire dans le jeu, ils ont casualisé à mort et du coup maintenant c'est de la merde Mario Golf. Pardon, ça me fait rire de dire ça. Très bien. Je pense qu'on va la faire basse. Oh là là, quel échec, quel échec, quel échec! Je me rapproche pas assez du tout. Je suis sur le green, non? Oh, fairway, green à 2 mètres, quel échec. Bon, je vais devoir putt. Je vais devoir faire un putt long. J'ai la montée contre moi, c'est quasiment plat, c'est ça? Ah, mais sur toute ma trajectoire, c'est plat. Ok, d'accord, long putt, c'est parti. J'aurais dû tirer beaucoup plus fort. Le bogey dégueulasse. Bogey. T'étais pas censé nous vendre le jeu. De quoi?
À cause de la pluie, c'est ça? Ah oui, non, tu veux dire à cause de l'aléatoire? Ouais, en fait, le truc, c'est que... En fait, il faut savoir qu'apparemment, dans les anciens Mario Golf, t'avais trois montées de la jauge. Et la troisième servait à déterminer... Ou la deuxième, enfin bref, l'une des trois, les trois montées servait à déterminer avec un autre arrêt si t'étais précis ou pas. En gros, ce que ça faisait, c'est que tu faisais ton premier truc, tac, tu stoppais ta jauge. Et après, ça faisait un deuxième curseur qui faisait comme ça. Et en gros, si tu l'arrêtais trop tôt, tu partais à droite. Si tu l'arrêtais trop tard, tu partais à gauche. En gros. Donc en fait, le but, c'était de réussir à faire deux fois la barre au même endroit. Et en fait, ils ont remplacé ça par la jauge. Et du coup, les vétérans se plaignent de ça en mode « Ouais, la série, c'est devenu de la merde. Ils ont casualisé le truc en enlevant un tir, mais maintenant, c'est aléatoire. » Enfin bref. Classique, classique vétéran rumbling. Il leur faudrait une bonne guerre. Ça leur ferait du bien. Une bonne guerre, ça leur ferait du bien. Ça leur fermait bien leur gueule à tous ces petits jeunes merdeux là. Qui pensent qu'à la drogue et au hashish et aux jeux vidéo. Bref, ça me fait toujours un peu hurler de rire. Mais du coup, quand ça m'arrive, ça me fait du bien de m'en plaindre aussi, tu vois. Oh là là, ils ont casualisé le truc, c'est un sup. C'est un sup. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis dans l'arbre là? Ah, parce que c'est le. D'accord, ok. Alors on va driver du coup. Ah oui, mais on va driver dans cette direction là et on va mettre un effet ensuite, c'est ça en fait. Regardez cette balle, regardez cette balle. Elle s'envole. Et là, paf, elle dévie. Oh là là, incroyable, avec la prise au vent et tout. C'est fou ce qui a été fait par le joueur français là. Je vous le dis. Hein. Non mais au cas où vous étiez pas au courant, c'est fou ce que j'ai fait. Alors, on est quoi là? On est en contrebas, avec une pente comme ça, un vent contraire. En vrai, je comprends le coup de ces dommages, on pouvait rentrer des trucs giga précis. En fait, le truc, c'est que en termes de gameplay, ça fait aussi sens de proposer un truc de si tu tires comme une brute, t'es pas précis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que du coup, avec Bowser, tu pouvais rentrer des coups ultra précis, c'est bizarre, tu vois, c'est pas... Ça casse un peu l'aspect arcade, quoi. Alors là, on a une montée. On a une montée par temps de pluie. Avec un vieil effet. Oh, trop fort! Oh là 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 là! C'était un faux plat. Eh bah, ben, ça va partir sur un par, c'est dommage. Même pas. Le bogey! Yoshishi, comment tu vas? Bogey. Bogey. Bon, on finit avec un score de 0. 2 birdies, 2 bogey. Ah, et en même temps, la pluie, c'est compliqué. Hein. La pluie, c'est dur. Hein. La pluie, c'est vraiment très très dur. Perso, ça me gêne pas que y ait une stat de précision sur tes persos et que ça influe un peu pour éviter que tu fasses le gros con. Allez, très bien. Ça t'a gêné hier sur Kick Mobomb? Tout à fait. Tout à fait, et c'est pour ça que du coup je sais que King Bobomb c'est un perso qui est puissant mais qui manque de précision, donc bon. J'ai réussi dans le débat parti, l'open des Scarottes aura lieu le demain, c'est un tournoi qui se tient sur 2 jours, ok d'accord. Bon. Et bah très bien. Bon là les sidekicks nuls se vendent de me battre au golf demain, mais malheureusement pour eux ils ne savent pas que je suis un champion et que sur un 18 trous j'ai pas peur. Les dialogues servent à rien. Ah merde, ils ont parlé d'un système de handicap et j'ai pas lu. Tu fais full solo ce matin. Bah si vous êtes plein à vouloir jouer, peut-être qu'à un moment j'en aurais marre du solo, ouais. Mais en tout cas pour l'instant je suis parti pour être sur du solo, ouais. Histoire de monter un petit peu mon mi. Pour quand on fera des compétitions entre mi. De toute façon j'imagine que tu peux avoir un mi full maxé et que...
Oh là, le petit enclos avec des moutons. Bon, les hitbox sont un peu pétés, mais... En tout cas, vraiment, Speed Golf, je maintiens. Hein. Speed Golf en multi, c'est vraiment trop fort, quoi. Le Mifu Maxé, il va prendre un peu de temps. Ah bon, bah si tu files, Chichi, on va attendre que tu reviennes. De toute façon, peut-être que je joue reste après, hein, tu sais. C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu, que ce soit en stream ou pas, peut-être que je jouerai cet après-midi. Ok. Allez, c'est parti. On part sur un tournoi de jour. On va pas être en retard pour le grand tournoi quand même. Rendez-vous au cours principal, au parcours principal. Pour le coup, j'hésite à passer au magasin me le prendre. En vrai, vas-y Ruby. Hein. Franchement, je suis désolé hier pour la vanne sur les radins, mais en vrai, ce jeu, je pense qu'il y a très peu de chances que vous le regrettiez. Le jeu est bien, il y a une très grosse complexité, donc il y a moyen de faire des trucs qui sont vraiment bien calculés et tout. Et le jeu est arcade as fuck quand tu passes en mode speed golf. Il est suffisamment calme quand t'es en mode normal. Et si vraiment, 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 c'est tu kiffes le sbeu, le mode machin qui déplaît particulièrement à Curry. Après, je pars au boulot pour l'après-midi, c'est vraiment du la vie d'adulte. Mais écoute, tu joueras avec nous ce soir, alors voilà, on aura le temps d'y jouer, t'inquiète. C'est quoi tes horaires de boulot? Bah après là, en vrai, Chichi, toi, c'est vraiment ton boulot qui est vraiment horrible en vrai au niveau horaire. Hein. Moi, je pense que je tiendrais pas un boulot avec des horaires pareils. Personnellement, j'aime trop ma vie de mec pépère. Score de plus 8. Plus 8 en 18 trous, c'est nul. Oh là là là. Plus 8, et j'ai honte, hein, je me raquiris hein, si je fais plus 8. Hein. En vrai, moi, je sais que typiquement, les horaires de boulot, vraiment, tu sais, les boîtes aujourd'hui, quand t'es dans des boîtes un petit peu type start-up, etc., genre, ils essayent de te faire des trucs, genre, viens, on se fait un after-work et tout. Moi, je veux vraiment, je commence à sortir carte sur table, la sincérité, en mode, non, mais en fait, mon boulot, c'est mon boulot. Je vous aime bien, vous êtes mes collègues et tout, mais en fait, j'ai ma vie chez moi et genre, c'est tout, quoi. C'est pour ça que j'en ai marre des jeux multi, avec mes horaires, je joue toujours solo. Je comprends, ouais. Après, peut-être que tu demandes pas assez aussi aux gens quand t'as du temps libre. Attention. Voilà, c'est ça. Je vous aime pas assez. Je vous aime bien, mais pas assez pour vous aimer. Exactement, c'est exactement ça. Je vous aime beaucoup, mais pas en dehors des horaires de boulot. C'est terminé. Ah non, non, en dehors des horaires de boulot, c'est fini. Hein. Allez, on monte, on envoie. Bam! Merde, Todd, le bout a pris le cœur. Est-ce que le cœur va repop ou pas, vous pensez? Oh, oui, incroyable! Par contre, la musique, là, ils sont en train de péter un plomb, là. Ils ont foutu Dédé à la batterie. Il est parti sur un 240 BPM. Les autres ont essayé de suivre avec la chanson qu'ils avaient, mais... ta gueule, je tape où je veux! Ceux qui ont la ref, un cookie bien évidemment. On va encore partir sur un drive. Non, on va juste partir comme ça. On est porté par le vent là. C'est la méga top à la batterie. On va encore se faire porter par le vent, je pense. C'est parti. Je crois que j'ai pas fait un coup terrible là, si. Ils ont dit joli coup, mais je crois que. Ah non, c'est bien en vrai. Ok. Putt de birdie, pente et ok d'accord, je déteste ça. Je déteste ce putt là. Il est horrible en vrai. Il est horrible ce putt. Il est horrible ce putt. Ah, j'ai trop corrigé, pardon. Et bah c'est parti, on part sur un par. Ça part en par. Joli par. Vraiment le commentateur quand il te dit joli par, ça me fume à chaque fois. Joli par. Joli par point. Tout en minuscule, il n'y a pas de majuscule au début de sa phrase, vraiment. Tout en minuscule, joli par point. Hello Woodyland, comment tu vas? Attention. Ça faisait un bout de temps, la forme?
Vent contraire, 4 mètres secondes. On montait. Ok. Écoutez, on va juste faire ça et balle basse. Balle basse à fond. Oh, Bou va me défoncer la gueule. C'est bon. Sur le green à 2 mètres 3. Rien à faire, c'est un birdie. Et voilà, cool de voir sur ce jeu quand il me tente pas mal. Ah franchement le jeu, en vrai moi je... Vraiment, hein, allez-y, hein. S'il vous tente, allez-y. C'est aussi... En fait c'est aussi simple que ça, c'est est-ce qu'il vous tente? Oui, ne vous posez plus la question. Le jeu est très complet, il y a plein de trucs à faire. J'ai vu... Alors, hier on parlait de débloquer des nouveaux sets de clubs pour les persos. Les sets de clubs, il faut faire, je crois, 1000 points en cumulé sur un perso. Ma séance d'hier sur Bowser Junior m'a rapporté 500 et quelques points. C'est-à-dire que 2 heures de gameplay... alors après, je sais pas si c'est parce que le jeu a bugué aussi et genre ça comptait pas mes trucs, mais... On va se faire porter par le vent, là. Bien se faire porter. Let's go, let's go. Voilà. J'ai pété la gueule à bout. Non ! Todd, barre-toi ! Non ! Quel connard de merde. J'ai moins de temps pour faire mes coups. Le solo est rigolo, mais il faut vraiment skip les dialogues. En fait, il faut savoir déjà jouer et skip les dialogues. Alors là, si on veut éviter de foufou, il faut taper à côté et mettre un effet vénère. On va se mettre comme ça, au drive. Voilà, effet sur la gauche après. C'est parti. Je vois pas où part ma balle, ça me saoule. Ah, ça va finir dans un bunker. Oh ! Il faut que je mette moins d'effets en fait sur la deuxième partie du truc. Oh là là. Par 5, je suis à 2 coups. En vrai, ça se rattrape. En vrai, ça se rattrape. Mais là, vraiment, le bunker, c'est dur là en vrai. Je vais faire un fer, je vais faire une balle bien haute. Ok, on retente le même effet, mais cette fois-ci on est sur une distance moins grande, du coup ça va être moins gênant. C'est dommage, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, j'ai fait de la merde du coup de bunker. Oh là 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 là. Faut que je fasse une balle haute là, c'est ça? C'est terrible là, ce qui est en train d'arriver. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien attrapé. C'est bien attrapé, on part sur un par. Allez! Ok. C'est bien rattrapé. Pour un truc qui a fini dans deux bunkers, c'est bien rattrapé honnêtement. C'est con parce que mon deuxième coup, ma sortie de bunker, je l'aurais mieux calculé, j'étais bien. Là j'ai vraiment fait bunker au bunker. Bon après ça finit sur un par donc c'est tranquille. Et du coup la musique énervée, si jamais vous posiez la question, c'est parce qu'on est en speed golf. Même si on mesure que le nombre de coups. Ce qui est un peu bizarre pour un speed golf, mais alors vent contraire. On va juste bourrer hein. Et faire une balle basse. Au contraire, balle basse. Voilà. Comme ça on se fait pas emmerder. On est bien au milieu du green, c'est chouette. Ah c'est Bou qui va récupérer le truc. Barre-toi Todd. Très bien. Est-ce que je drive encore là? Oui. On va faire une balle bien basse. Fairway green à 9 mètres. Ah, j'aurais pu faire mieux du coup. En même temps, j'ai tiré très faiblement là. J'ai tiré beaucoup trop faiblement et j'ai mis un backspin. Yes! Il a
s'est mis un chip-in, ce bâtard? Le petit Toad qui s'est mis un chip-in, là. Tranquille. Ok. Ça part comme ça. Vent à 2 mètres contre moi. Faire une balle basse. Ok. Bon, c'est pas mal. Ça part encore en part. Décidément. J'ai pas le birdie facile ce matin. Ok. Putain, Bulldozer qui est à moins 3 là. Attention. Je vous rappelle que c'est un tournoi, hein, donc il faut que je commence à prévoir mais il faut que je commence à bien monter là. Hein. Alors en montée, vent qui nous porte, vent qui nous porte. L'effet de la pente par contre a l'air d'être pourri en vrai. On va se mettre bien en montée. Et let's go. Ah, l'effet de la pente m'a rabattu sur la gauche alors que je voulais partir sur la droite, c'est chiant. Fairway à 160 mètres, ça veut dire que je peux l'atteindre là, non? Ouais, c'est ça. Il y a un arbre au milieu là, ça a froufrou de ses morts là. Non, c'est bon en vrai. On va faire juste une approche. Ok. Je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais. Green. Green à 9 trous à 9 mètres. Ok, je peux tenter un birdie là. Vraiment que je fasse un gros coup par contre, parce que le trou à 9 mètres c'est compliqué en vrai. Est-ce que c'est plat? C'est pas plat du tout. Si? Ah non, c'est en montée. C'est en montée. Yes! Le birdie. Ça nous met bien pour la suite du tournoi, ça. Ça nous met à moins 2. On est en train de rattraper Bulldozer. Qui a des trous d'avance sur nous, hein. Oh là, mais ça c'est un all-in-one, ça. Par 3, c'est un truc qui est très court. Le birdie est en 2. Et si on a beaucoup de chance, on met un all-in-one. Alors le vent. Le vent est comme ça, on va faire une balle un peu basse. Merde, trop bas. Beaucoup trop tard. Je vais aller beaucoup trop loin. Ça va être terrible. J'allais beaucoup trop loin là. J'ai tiré beaucoup trop loin. Green trou à 7 mètres. Ok. Ok. Allez, le birdie est en 2. Ça va être compliqué. On est à 9 mètres. Avec une pente bien vénère sur le côté. Faux plat en descente. Mais ça, on s'en fout. On va juste tirer normalement. Et ça y va sur un birdie. Allez, on s'est mis à moins 3. C'est chouette. Ok. Attention. 4 mètres par seconde de vent. On va faire une balle qui est un peu basse, je pense. Le vent ne m'intéresse pas là. Merde, merde. Ça par contre, ça m'intéresse pas du tout. Fait chier. Toad va prendre le cœur, ça me saoulait. Je suis un génie du timing. Ok, 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 ok. 150 mètres, un arbre au milieu. Attention au foufou, mais on a le vent. Je pense qu'on va juste tirer comme ça. On est en hauteur. On va juste faire un tir basique là. Le vent va contrer le décalage. Voilà, on est bien, regardez. On est à 6 mètres. Parfait, 7 mètres. Putain, la musique par contre elle fout les nerfs, hein. On a tiré un peu loin en vrai. Oh, c'est quoi cette pente de mort? C'est quoi cette pente de mort là? Elle est trop bizarre, ça va être dégueulasse. Et c'est raté.
C'est con parce que je tire un peu plus à gauche et c'était bon. J'ai du mal encore à gérer les plantes là. Putain, Bulldozer passe à moins 4, mais il est ultra énervé ce mec. Attention. Plus à gauche et plus fort. Alors la force était bien, mais par contre effectivement j'aurais dû aller plus à gauche, effectivement comme tu l'as dit. Après ça malheureusement voilà c'est des trucs ça se chope avec l'expérience, mais là en vrai j'ai vraiment du mal à gérer les pentes sur les côtés. À moins 4 perso les mecs ont jamais dépassé plus 1. Ouais tu vois c'est chaud en vrai. Je sais pas, j'ai dû mettre le jeu en difficulté max. On est en hauteur plein là. Ok. Toujours le vent de face, donc on y va toujours à base de... Oh là, je suis dans le rough. Oh putain, j'ai fait de la merde. Oh là, oh là, oh là. Où est-ce que tu vas? Le trou est là. Le vent de face me fait vraiment chier. Petite montée. Oh, 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 je mettais pas le backspin, ça rentrait. Oh la tristesse. Je faisais pas un super backspin, je mettais juste un backspin normal et ça rentrait. Joli part. Ah, oh, la trajectoire était parfaite, j'avais parfaitement pris compte du vent. Bon, j'ai un trou pour rattraper Bulldozer, mais il est ultra vénère Bulldozer, là, il est à moins 4 le mec. C'est la première IA du jeu, quoi. Vent contraire, on va tirer comme ça, bien basse. Merde! Ça dégage. Ok. Alors, on a une pente comme ça. Où est-ce que ça va là? Ah oui! Ok, d'accord. On va jouer avec un drive hein, et puis voilà. Hein. On va faire ça et on va mettre un effet de 1 à la fin. Je pense qu'on est bien en vrai. Oh, on s'est mis super bien, regardez-moi ça, je suis au milieu du green. Pas vraiment au milieu en fait. Au milieu du fairway, pardon. Quoique en fait, hop. Si je suis bien en fait, regardez, je me suis... Oh là là, mais je suis un génie! Je suis un génie! Incroyable! Alors... Est-ce que je peux faire un coup plus long? Non, voilà. Ok, d'accord. J'ai un vent à 3 mètres par seconde contre moi, un petit effet sur le côté. Oh, j'ai touché. J'ai touché. J'ai touché, j'ai rebondi. Ça c'est vraiment la haine ça. Bon, j'aurais pu mettre un eagle. Allez, c'est pas grave, je suis à moins 4 sur ce trou. C'est bien, j'ai égalisé avec avec machin là. Ok, avec Bulldozer. Putain mais ils sont tous ultra vénères les gus chez moi là. Regardez-moi ça. Ok, première place. À égalité j'imagine du coup. C'est le plus grand mensonge du jeu, si vous touchez le mât, la balle peut retomber dans le trou. Et là, je pense que... Après, j'avais trop d'effets, je pense. Ah là, je suis obligé de bourrer ma pression, parce que sinon, ça bouge pas. Ok, d'accord, très bien. On va encore booster notre puissance, là. Il y a vraiment besoin de mettre de la puissance. Mais c'est pas fini, le tournoi est en 2 jours, rappelez-vous. On a fait le premier jour seulement, on a fait uniquement l'aller sur le... On a fait l'aller de ce cours. Ça s'appelle, comment un cours de golf, enfin un ensemble, un parc, un cours?
Voilà, voyez, allez vous reposer dans votre chambre avant la finale du tournoi qui consiste à faire le retour en fait, simplement. On aura plus de puissance pour le retour, donc on aura peut-être des chances de mettre quelques coups en moins avec des approches au drive un peu plus vénères. On dirait un terrain de golf. On tire un terrain de golf ? Ok, d'accord. Sinon, tu peux utiliser les termes fairway et green. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est l'ensemble des pistes, tu vois. Est-ce que ça a un nom? Tu vois, l'île sur laquelle t'as tes... Enfin, l'île ou la zone sur laquelle t'as des 18 trous. Parc de golf, ouais. Tellement RP comme jeu, t'as une chambre et tout. Mais oui, c'est une partie RPG, Aldrin. Ça sert absolument à rien, mais... Mais oui, il y a un aspect RPG un peu. C'est toi qui choisis tes stats. J'espère que tu peux romancer Toad. Putain. Quel enfer. Allez. Imagine le mi au moment de tirer Persona. Ça arrive bientôt ça, les tirs spéciaux là. Persona, il s'arrache le visage et pas la balle part en faisant. Incroyable. J'aimerais beaucoup. Grosse musique énervée sur le trou 10, vent de 4 mètres par seconde dans le dos. Attention. Ah, le drive est un peu plus loin là. On va essayer de pas trop se faire porter par le vent, on va pousser par là je pense. Et on va mettre aucun effet. Ah, il y a Bulldozer sur mon cours aujourd'hui. Autant le Serious Contender d'hier c'était Toad, autant là... Autant là, le Bulldozer... Putain, vous avez vu comme il tire loin? Il tire plus loin que moi le salaud. Ok. On va bien se faire porter par le vent là. Oh putain, j'ai mis un angle trop vénère. Sur le green, à 9 mètres. Ok, c'est le moment de mettre un birdie parce que sinon l'autre connard il va me niquer. Ah, il planque moi. Oh, c'est tout plat. Incroyable. Incroyable, c'était tout plat. C'est du tout cuit le birdie. Alors que lui il a dû tenter un vieux chip in. En vrai, là il pouvait. Et là, un monstre mythologique avec un club de glove défonce la balle. La balle enflammée se dirige toujours vers la 3 après avoir fait de looping. Alors, c'est pas aussi incroyable, mais il y a des tirs spéciaux dans le jeu. Hein. Le tir de Wario qui notamment transforme sa balle en nuage de foudre qui tombe à un endroit très précis en dégageant tous les autres, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est en descente. Attention. On a un vent de 2 mètres secondes sur le côté, on va tirer comme ça. On va essayer de profiter légèrement du vent pour allonger notre truc. Je tape sur Yoshi, moi j'ai pas peur. Bim, dégage Bulldozer, c'est ma balle. Le tir d'harmonie qui fait des balles étoiles, horrible en vrai. Le tir d'harmonie, mais hier qu'est-ce qui m'a fait tilter, c'était affreux. C'est un échec. Ah le salaud. Il m'a couru dessus. Allez le birdie. Ah, il est en train de tout rater la Bulldozer là. Il est en train de tout rater. Il a fait un bogey. Oh la tristesse du bogey. Ça c'est pas vu. Oh c'était horrible. Alors Bulldozer, on a les nerfs qui lâchent sur la finale. Comment ça se passe là?
Comment ça se passe le bogey? Je dis ça, je vais me faire karmater, vous allez voir, ça va être terrible. Trou 12 par 5, vent contraire à 3 mètres secondes. Moi là, maintenant, que je, depuis que je sais faire des balles hautes et des balles basses, c'est terrible en vrai, hein, c'est fini, plus rien ne m'arrête. Dégagé! J'ai pas vu si je m'étais mis bien ou pas. Ouais, ça va, c'est pas mal. On a une légère pente sur le côté. Ça va être un peu chiant. Les arbres, c'est relou. Est-ce que je peux tirer entre ou pas? Non, je peux pas. Et je ferai jamais un tir assez haut, c'est ça? Je pense que je vais faire ça. Je vais tirer et je vais mettre ma balle avec un effet de 2 sur le côté. Oh, il a tenté le tir entre les arbres, le salaud. Oh, mon tir aussi, normalement, c'est du génie là. Il a tiré entre les arbres, lui, hein. C'est bien joué ce qu'il a fait. Je pense que du coup il va réussir à gratter un coup là. Le par c'est un par 5, il va se mettre bien là, il va faire un eagle. Il est au coup 3, il en est où au coup 3? Oh, il est tellement prêt. Alors l'arbre qui va casser les couilles, il va falloir qu'on mette un très léger effet. Ah mais non, en fait on est tout droit, je suis trop con. Ah c'est l'ombre qui me faisait bugger, d'accord, ok. Bah c'est tout, je tire juste tout droit là. Faut que je prenne compte du vent, on va se mettre légèrement comme ça. Faut que je fasse gaffe à pas foufou par contre. On va faire un tir bas. Voilà. Putain, ça a touché le drapeau là. Taras. Ah non, ça a pas touché le drapeau. Ok, il a fait 6 coups. Oh là 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 là, il a encore fait un bogey. Alors que moi je m'envole sur des birdies. Je m'envole tel un petit oiseau. Tel un petit oiseau sur les birdies. Regardez la chute de Bulldozer. Il s'est pris un tir d'harmonie dans la nuit là. Il s'est pris une balle étoile et depuis il est en choc. C'est terrible. Attention. Ok, on va se faire porter par le vent, let's go. Ok, on se fait des approches sympas là. Alors, on va drive encore. Je suis pas mis très bien là, si. Ah si. Ah, je suis mis carrément bien même, en vrai par rapport à eux. J'attends le moment où la pluie va venir nous casser les couilles quand même. Enfin, j'attends. Bon, ça va pas plaire évidemment, mais je sais que ça va arriver un moment quoi. Bonne descente là. Bonne descente qui va me souiller. Mais je suis un génie. Mais je suis un génie. C'est ça mon problème. C'est que je suis trop fort. Ah là là, alors que lui il a encore mis un bogey. Oh là là. Tout son score de la veille qui s'envole, Bulldozer. T'es mauvais, Bill. T'es mauvais. Point faible, trop fort. Bah là, bon. C'est pas mal. La prestation sur ce jour de finale, elle est pas mal là pour l'instant. Vent qui accompagne, on va faire une balle un peu basse. Mais il a enchaîné deux trucs lui, le salaud. Oh là là, et puis moi j'ai pas non vu, c'est génial. Je suis à combien de mètres? J'ai pas vu. J'ai vu que je m'étais mis sur le green, mais j'ai pas vu à combien de mètres je m'étais mis. Ah, j'aurais pu l'avoir quasiment. Oula, mais c'est quoi ce chipping tout pété, mon pote? Oh là, je fais de la merde.
Ok, c'est bon. Il m'a déconcentré avec son chip-in moche là. Mais il est complètement en train de tilter là. Il est complètement tilté là. Oh là 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 là. Bulldozer en train de s'effondrer. Le choke est réel. Ah, l'IA a un choke programmé. Attention. On va juste tirer tout droit là. Bulldozer, c'est que des muscles. Hein. Ouais, mais le premier jour, il s'en est comme sorti avec un gros score quoi. Il a eu de la chance, tu penses? Je sais pas hein. Là en vrai, ce jour numéro 2 a l'air de conduire quand même pas mal de parcours qui sont longs, donc je comprends pas qu'ils mettent pas plus de score. Ok. J'aurais dû réduire ma prise au vent. J'aurais dû faire une balle basse pour réduire ma prise au vent. Quoique, je suis bien en fait. Je me suis mis à combien? À 9 mètres. Oh là là, mais... Les approches dignes des plus grands génies du golf. Trop fort, ça y va. Oh, il m'a poussé tellement il a la haine. Tellement il a la haine qu'il m'a poussé. Oh. Ah, il est en train de choquer, il devient violent. Digne de Tigre Bois, exactement. Tigre Bois. Oh, mais il a fait exprès, c'est pas possible. Je suis vraiment mis dans le même cours que ces gens-là, là. Lui, il a pas suivi le tuto, lui. Il a pas suivi le tuto de du maître marteau là. Les tutos de maître marteau, ils expliquaient comment pas puer la merde. Ok, ça c'est du all in one ça. Ça c'est du all in one ça. Regardez bien, regardez bien comme c'est du all in one là. C'est pas du tout en all-in-one, je suis un peu déçu. Je suis à 10 mètres. Ah, j'ai tiré trop loin. Ouais, du coup, le chip-in, ça te réussit pas, hein, mon pote. Hein. Putain, je vois rien avec toutes les icônes de merde, là. Je vais pas y arriver. Oh, j'ai trop corrigé. Tristesse. J'étais presque. Bon, premier part de la journée, je me sens pas très bien. Je me sens un peu en perte de puissance là. Enfin bon. Attention. Oh, c'est quoi ce trou colossal là? Merde. Alors je sais pas à quoi ça sert de mettre la balle basse sur la deuxième moitié de ta trajectoire. Parce que c'est vraiment la première moitié du truc qui détermine l'apogée de ton coup. Ah, ça sert peut-être quand t'as 3 ou 4 sections en vrai, pour commencer régular et ensuite descendre ta balle. Barre-toi Bill, tu pues Bill. Faut faire attention à pas foufou là. Balle normale rabattue par le vent. Ça donne quoi? Fairway green à 1 mètre. Ok, on va pouvoir tenter un gros putt là. Ah ouais, le backspin a été trop méchant avec moi. On va faire un putt. C'est une montée, il faut décaler sur la gauche aussi. On va faire un long putt. Non! Non! Je suis un connard! Ah, je suis un connard! Je me suis planté. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Même au meilleur. Même moi. Ah, je me suis planté.
Je me suis planté, j'ai appuyé deux fois sur le bouton alors qu'il faut surtout pas valider votre coup si vous voulez vous annuler. Bon, c'est pas grave. Deuxième part. Attention. Trou 18. Là on va vraiment bourrer, le vent est contre nous donc on va aller en top spin et bien basse. Planter tel un drapeau, voilà, planter sec hein. Planter le bâton comme ils disent tous là. ~248 mètres, il va me falloir deux coups encore. Si je tente le birdie, c'est en 4 et ça va être compliqué en vrai. Vent contraire à nouveau, on va essayer de pas se foutre dans le bunker. On fait attention à la trajectoire de notre balle aussi. Et on fait une balle bien basse, c'est parti. Oh le bunker, non. Oh, je suis dans le rough à côté du bunker, fait chier. Cette pente horrible là, bon c'est pas grave. On va jouer dans le rough et on va se faire une approche incroyable. Vous êtes prêts ou pas? Ah merde, j'ai pas réussi à mettre l'effet que je voulais. Bon bah j'espère que le vent me sauvera. Je me suis planté. J'ai pas réussi à mettre la flèche. Trou à 3m7, c'est parfait. J'ai voulu mettre la flèche pour tourner un petit peu sur la gauche. Et en vrai je pense que ça m'aurait encore rapproché mais bon. C'est un... Oh non, j'ai pas mis assez loin. Ah si c'est bon. Beau birdie. Est-ce que je gagne plein d'XP si je fais des scores de fou? Genre là je vais me mettre à moins 11, moins 12, moins 10. Est-ce que je gagne moult XP si je fais des scores de fou comme ça là? Ah je suis à moins 11, ok. 1051 pièces, score moins 11. Bon là je gagne tellement d'XP que je vais gagner 150 niveaux, non? On est d'accord. Je vais être récompensé en XP par mon niveau incroyable. Passez du badge assis au badge chrome, vous gagnez 1000 pièces. Okay. Eh bah super. Votre sprint spécial s'est amélioré. Ah ça peut descendre encore, ça saoule, vas-y. Bulldozer qui finit deuxième à plus 4. Ah c'est terrible hein. C'est terrible en vrai. Ils ont tous flanché sur le deuxième tour. Tous flanché sur le deuxième tour. Tout le monde a craqué. Moi je suis resté. Moi sur le deuxième tour je me suis envolé, je pense que ça les a tous champés. Concorico, ça va te lever même pour les champions, tu as le droit de profiter de ton trophée, mais ta carrière commence juste. Très bien, super. Oh là là. Oui oui. Waouh. Il a presque la même voix que les Mascas. Ok, et donc là on va passer au deuxième monde les cocos. Waouh. Nous sommes à Vallon-les-Flots. Hello Ayumu, comment tu vas? Alors, content que je sois là, oui. Incroyable ce Mario Golf Ayumu. Le parcours est ravagé. Tu as sûrement entendu parler de l'ouragan qui est passé dans le coin l'autre jour et a causé beaucoup de dégâts sur le parcours. Nous ne pourrons pas organiser le tournoi ici avant un bon moment. Ah, c'est la tristesse. Malgré la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, il reste une forme de golf à laquelle on peut jouer même sur un parcours dans cet état. Tu as entendu parler du golf tout terrain. Oh là, un nouveau type de golf. C'est une forme de jeu particulièrement appréciée ici, au golf de Vallon-les-Flots. En fait, leur golf est tout le temps par terre et du coup, ils font que du tout terrain. Écoute-moi, ça va. Ça va, Yomou, je te remercie. Le golf tout terrain est une forme de jeu ancienne que nombre de plus grands golfeurs ont appris à maîtriser. Si tu veux les rejoindre au sommet, c'est ce qu'il te reste à faire. Ok, on va aller faire du golf tout terrain. Génial. Si je savais utiliser l'énergie pour faire coupe spéciale, mais je l'apprendrais, mais je suis juste là pour l'accueil. Ok, bon, on va nous apprendre du truc. Du GTT, exactement ça. Écoutez, on va aller faire du GTT, hein. C'est parti, hein. Oui, il y a une carte dans un coin, là, ou pas? Qu'est-ce que c'est, ça? Je veux pas faire une partie d'entraînement de golf tout terrain, je vais aller voir votre boutique, moi. Où est la boutique?
Toi, tu vends des patates. De la soupe de patates. Des patates dans une soupière. Où est votre boutique? Il y a des quêtes annexes partout là. Tu fais du cosplay de Waluigi, pas de Wario? Hein? Comment ça je fais un cosplay de Waluigi? C'est-à-dire je fais un cosplay de Waluigi. Mon perso, on dirait Waluigi, bah dis donc. Les habits peut-être, la couleur. Mais par contre, y a vraiment rien là. Peut-être là-haut, il y a une boutique de fringues. D'accord, ok, on n'a pas le droit. On est vraiment obligé de faire cette partie de merde, quoi. Super. Allez, c'est parti. Il nous faut 14 clubs pour le faire. Alors. Les bois, c'est ceux qui sont un peu moyens. On va tenter de prendre un bois neuf. Hybride 5. Les fers, on s'en tape, je crois. On va prendre un fer qui permet de taper un tout petit peu plus loin à 130 mètres. C'est surtout ça qu'il va nous falloir. Très bien. Alors attendez, par contre, j'ai pris trop de clubs, je crois. Ouais, voilà, j'ai pris trop de clubs en fait, c'est chiant. Reçu dans le jeu de club de départ, remis par le Caddy Master. Je vais enlever celui-là en fait. Je m'en tape. Ah non, le bois 3 il est chouette. Non, je sais plus ce que j'avais pris. Si, c'était bois 9 que j'avais rajouté. Je sais plus lequel j'avais rajouté. Oh, fait chier. Faire 5, on s'en fout. Par contre, le sandwich et le pitching wedge. Non, le pitching wedge, je m'en tape. Je vais garder le sandwich par contre. Parce que jusqu'à maintenant, il m'aurait bien servi dans les bunkers et tout. Parce que je crois que les bunkers, je me suis sorti au fer et c'est pas terrible. Et là, vu qu'on va sur un golf tout terrain. Ok. Le jeu nous propose quand même des tutos maintenant, alors qu'on en est à 2 heures de solo quand même. Hein. Dites donc. En tout cas, vraiment speed golf, meilleur mode de jeu possible. Alors vent dans notre dos, 6 mètres par seconde. Et bah écoutez, on va bourrer comme un malade et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. On va se mettre bien levé. Voilà, hop là. Regarde, ouais, ce tir incroyable. Ah là, on va pas le chercher là. 3 trous, 20 coups max. C'est ça le golf sauvage? C'est que t'as un nombre de coups pour faire tes trous? Je comprends pas en fait. Parce que là, du coup, je vais plus chercher ma balle, moi, c'est terminé. On est en montée, on a un vent de dos, on a un terrain assez plat. On va tirer ça comme ça, je pense. Pas mal. Ah, pourquoi est-ce que ma balle a dérapé? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y a eu là. Ok, d'accord. Ah, il y a une pente. Ok. Il y a une pente. Ok. Encore 17 coups. C'est marrant en fait ce truc. Ah, d'accord, je pars de là. Mais non. Si, je pars de mon point de départ. Je pars de mon trou là en fait. Et je vais au suivant, d'accord. Donc là, en fait, le but, c'est d'aller se mettre sur ce truc-là. Sauf qu'il y a un énorme caillou. C'est ça, l'histoire. En fait, je pense qu'on va le tirer comme ça, d'abord. Ouais, on va d'abord le tirer comme ça. Ah, mais le vent, par contre, est contre moi, cette fois-ci. D'accord, je comprends. Je comprends les tenants et aboutissants du golf sauvage. D'accord. Bon, j'aurais pas de déviation, mais ça fait chier en vrai. J'ai pas réussi à exploiter la puissance max de mon truc. C'est pas grave, on va avoir un top spin qui va bien nous emmener loin sur le carry. Non, c'est pas le carry. C'est quoi le carry et l'autre? J'ai oublié encore.
Et donc là, pareil, en descente, on est en le truc est en contrebas. On va juste faire un coup bien bas en fait. On va juste tirer ça et on coupe bien bas. Voilà. C'est parti. La tornade va nous porter ? Pas du tout. Oh, je vais toucher le mur ! Non, c'est gênant ça. En fait, le golf tout terrain, c'est juste un ensemble de trous que tu dois suivre, quoi. Bon. Vent contraire, faux plat. Je vais me mettre au fer là. J'ai pas envie d'avoir une inclinaison aussi forte avec un vent aussi fou. Aïe aïe aïe. Y'a pas d'ordre. Ok, d'accord. Oh. Oh. Ah, dommage. Je peux pas passer loin. Vous voyez les petites croyettes que le jeu vous fait quand vous êtes vraiment en solo? La caméra qui se met en mode. Ah. Il manquerait plus qu'un petit cœur de bonhomme derrière qui sont en mode oh, juste pour vous saouler. Est-ce que je peux monter là ou pas? Oh, de justesse, je suis un génie. T'aurais pu finir par celui-là et faire le tout en haut en premier. Je comprends pas bien, mais ok. Ah, il faut pas que j'oublie le vent qui va me porter aussi. J'ai oublié l'altitude. J'ai oublié l'altitude. Oh, fait chier. Curry l'a pris et Curry, c'est un bon. Non, 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 non. Aïe, 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 la trajectoire de la balle qui est partie complètement aux fraises. Rof épais. C'est terrible, mais comment je fais pour monter ça? Faut que j'y aille au centre machin, là, c'est ça? Je peux pas? La tornade? J'essaie de foutre un effet dégueulasse. Ça suffit pas, ça suffit pas. L'effet dégueulasse ne suffit pas. Oh. Il y avait une tornade à gauche. En fait, il faut que je mette mon effet à gauche dès le début. Fallait que je fasse ça en fait tout à l'heure. Bon, ça va encore être sur le rough. Ah, quoique, fairway. Ouais, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai mis mon effet trop tard. Alors qu'en fait, là, il fallait vraiment que ça tourne. Donc, bon. Je peux y aller au putt, faire un long putt si j'ai envie. Heureusement que je suis un génie du putt. Hein. Réussi. Ok, 13 coups. Ça s'est vraiment très mal passé sur la dernière partie du truc. C'était terrible. C'était terrible, ça s'est très mal passé à la fin. Ok, on gagne combien de niveaux? 2 niveaux. En vrai, est-ce que je m'en fous pas un peu de perdre la vitesse? Si. J'ai besoin d'améliorer ma puissance. La puissance, j'ai l'impression qu'elle descend jamais. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Super. Jouer une partie standard de golf souterrain. Parce que ça, c'était juste un entraînement, il faut que je recommence. La puissance, c'est constant, ok. Faut que je recommence, eh ben c'est super. Non mais c'est bon, merci, j'ai ce qu'il faut. Après, t'as 6 trous puis 9. Ah bon? Ah ouais, c'est vénère en vrai. Ok, donc en fait il faut vraiment réfléchir ton parcours quoi. Alors, en golf tout terrain, vous avez 2 minutes pour jouer votre coup et rejoindre la balle, sinon vous êtes coupé d'un coup de pénalité. 3 trous, 20 coups max. Ah mais ça recommence du coup. Ah je vais jouer le trou derrière. Ah il faut que je joue le trou derrière moi en premier en fait. D'accord, ok. Attention. Merci. C'est parti. Ouais voilà, en fait je vais le faire dans ce sens là et ça va aller beaucoup plus vite. Ok d'accord. Ok, dans ce sens là ça va aller beaucoup plus vite. Donc là en fait on peut se servir de la tornade pour bourrer. Pourquoi je suis... Il est où mon drive? J'ai viré mon drive de mon jeu tout à l'heure, c'est ça, quand ils m'ont mis le menu de merde. Oh là, mais je vais me faire taper par ce truc là. Ah non. Putain, j'ai viré mon drive, vraiment. Ok. Oh, ta race, Bulba. Vas-y, il m'a cassé les couilles. Il va me défoncer là. Ah, le salaud, vraiment, il m'a saoulé là. Oh là, il y a eu un vieil effet de pente là. Ok, sympa. Descente. Juste une descente. Trop fort. C'est bon. C'est raté. Ça va aller n'importe où. Ouais. Et ça recommence, les mêmes galères que tout à l'heure. C'est pas grave, maintenant on sait le prendre. Où est ma balle là? Ok, bunker, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, vraiment, avoir sorti mon drive, c'est terrible. Hein. Ça m'y dedans. C'est une descente. Ok. Ah! Il est parti trop loin! Pourquoi est-ce qu'il a pas chopé ma balle? Ok. Ah, elle devait être encore en train de rouler. Ok! Bon, on l'a fait en 10 cette fois-ci, c'est mieux, alors qu'on avait même pas notre drive. Oh, vraiment, l'absence de driver, c'était un échec, quoi.
Je mets trop de niveau dans le maintien de la précision, il faudrait peut-être pas que je le fasse en vrai. Putain, et l'autre qui m'a fait sortir mon drive de mes clubs, cet enfoiré. Putain. Pourquoi est-ce que je suis alourdi là? Qu'est-ce que j'ai pris en trop comme, comme truc? Ah oui, j'ai pris le sandwich, ok d'accord. Et donc c'est reparti en fait, à nouveau une partie comme ça, on réenchaîne ce mode là. Un peu stressant parce que t'as 2 minutes pour rejoindre ta badge, ta truc. Joue une partie standard de golf souterrain, donc là c'est parti, maintenant qu'on a validé on y va. Mais par contre ça fait 2 fois qu'on fait une partie standard ou... Comment ça se passe là? Attention. 6 trous. Je pense qu'on va faire celui-là en premier. Je pense qu'on va laisser celui-là en premier. Faire attention à pas foufrou. Si les tours valaient grand chose, non. Alors, je vais jamais réussir à monter assez haut là, non. Faut que je mette un truc qui a une plus grande attaque. Genre ça. Le fer 9, je pense. Je vais la faire bien haute. On va finir sur le rough, ça va être terrible. C'est monté? C'est monté. Génial. Ok. Par contre, j'ai 30 coups pour faire 6 trous, putain. Heureusement que je suis parti sur celui-là en premier, du coup. Oui, ma balle. Par contre, le temps que je mets là. Oh, il faut que je me dépêche de faire un coup là. Allez, vite. Pêche-toi! Ok. C'est parti. Le vent va me contrer. Il va contrer mon attaquement normalement. Pas du tout. Je finis le rough. Green à 1 mètre. En vrai, là, le putt se tente avec un long putt. Je crois que c'est plat. Quoique. Je suis à combien? Je suis à 10 mètres. Putt long, c'est parti. Ah, le rough m'a pété. Allez, let's go. On a mis ce premier trou, on l'a mis en 5 coups. Ce qui est la moyenne du coup si on a 30 coups. Là, je pense que je vais essayer de décaler sur l'autre trou là. Sur celui qui est là-bas là. Parce que ça va encore être une grimpée et ça va être chiant. Donc là je vais y aller au drive. Je vais me faire porter par le vent. Je vais y aller à fond en topspin. C'est parti. De toute façon je vais finir dans rough donc En tout cas sur ce mode de jeu, avoir de la vitesse ça a l'air de compter quand même hein. De la vitesse et de l'endurance hein. Où est ma balle là? Elle est là, ok. Ok, on a encore fini dans le off. Arrête de me changer de trou s'il te plaît par contre. C'est un sup. Encore se faire porter. Oh la merde! Ça finit dans un rough, ça aussi, c'est un nouveau. Ça va encore finir dans un rough à cause de la déviation à la dernière minute là. Pas bon. Bon, en vrai, elle a continué à rouler vers l'avant. Elle est dans un semi-rough.
suis dans quoi là? Et donc là il faut qu'on mette un vieil effet bien bourrin. Merde, c'est raté, je l'ai mis trop tôt. Je voulais mettre un effet portant d'abord. Ah! Je me suis planté, j'ai tiré vers la gauche alors que je voulais d'abord mettre un effet portant et ensuite rabattre vers la gauche. Mes doigts ont boudiné. C'est pas facile d'avoir plusieurs effets dans ton même truc, hein. Alors le trou il est là, celui qui m'intéresse il est là. Donc on va tirer comme ça. Je pense que là c'est bien en vrai. Ça va... Ah non! Mais pourquoi est-ce que la tornade elle m'a pas porté comme la dernière fois? Oh, c'est la merde! Putain, mais c'est la merde complète! C'est la merde complète là. Je suis vraiment pas bien du tout. C'est super dur ce mode de jeu, c'est horrible. Allez, envole-toi la balle. Parti par où là? Non mais c'est un enfer! Je vais jamais y arriver là. On va juste se positionner par rapport à la tornade. Voilà. Ok. Si ça marche pas, je sais pas quoi faire là. Elle est passée ? Ah, ça l'est passé. J'ai perdu tellement de coups sur cette merde. J'ai perdu tellement de coups sur ces conneries. Il faut que je fasse des trucs en très peu de coups. Là j'ai 16 coups pour finir 3 trous, ça veut dire 4 coups par trou. Pardon, 16 trous pour finir 4 coups, ça veut dire 4 coups par trou. Merde, faut que je fasse plus de balles. Oh là 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 là, le vent va me dévier en plus. J'ai tiré beaucoup trop loin. Bunker, yes. Allez. Oh, le cinquième coup qui fait mal là. Putain, 12 coups. 4 coups pour faire gauche-droite entre les tornades, c'est bof aussi. On va voir ce que ça va donner. Mais là en vrai, mais j'ai fait les trous les plus reculés. Donc on va voir ce que ça va donner. On a le vent dans ce sens-là. Go, go.
Ok, je me suis mis super bien là par contre. Là par contre j'ai fait un coup de génie là. C'est peut-être un trou en 3 là. Salut Sorud, comment tu vas? Alors j'ai le vent comme ça. Je suis en montée. On va juste le tirer basique. Très bien. Ah! Je suis à quasiment 10 mètres avec une pente comme ça. On va se mettre ici. Heureusement que je suis un génie du putter. 3! C'est-à-dire qu'il me reste 9 coups pour 2 trous. C'est déjà plus tranquille. Alors, vent contraire, on va drive. Et on va traverser. Tu vas nous mettre dans la bonne direction. Putain, j'ai fait l'approche la plus clean du monde. Regardez, je vais le faire en deux. Ce qui est dommage, c'est que t'es descendu alors que t'étais en hauteur. Alors que le dernier est en hauteur. Ouais, j'avoue, ouais. Il y a une sale pente là. Il y a une sale pente. Ah! Ok. J'ai 6 coups pour un drapeau juste au-dessus de moi. On va y aller au sandwich, je pense. Est-ce que je passe? On va y aller comme ça. Et on va vraiment bourrer. Je pense que ça peut monter assez haut, non? Ça touche ou ça touche pas? Je suis un génie? Est-ce que je suis un génie? Non! Ah, la tristesse. Et eh ben c'est un coup de perdu. Et là c'est la déchéance. Là c'est la déchéance là. Il faut que je me rapproche d'une tornade. Elle est où la tornade? Ah, c'est la déchéance là, c'est fini. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Hier j'avais super mal. Et là j'ai quasiment plus rien. Sauf si je tire sur mon bras. Ouais bah c'est classique en vrai hein. Les douleurs au bras elles restent pas longtemps hein. C'est une crampe en fait que ça te fait. Je sais pas exactement ce que ça te fait mais... Perso, je m'étais tapé une belle fièvre. Putain, mais vous avez tous eu des trucs bizarres avec vos vaccins. Il y a eu la collègue de Zugi, les collègues de la sœur de Zugi, pardon. Ses collègues se sont tous retrouvés à l'hosto quand ils ont fait le vaccin au même endroit le même jour. À un moment, ils ont tous la trentaine, absolument aucun risque, enfin rien du tout. Je t'en dis, mais c'est pas vrai, ils connaissent un médecin à cet hosto. Ils ont demandé un arrêt. Voilà, en vrai on est pas mal là. Moi je suis super naze. Oui voilà ouais, au pire ça te fatigue ouais. Oh le drapeau qui a été touché. Drapeau. Drapeau. Allez c'est réussi. Putain c'était laborieux. Je suis passé à un coup de l'échec. Ok. Oui, le choix stratégique qui a failli finir en catastrophe, ouais, ouais. Allez.
pétition pour que Nintendo joue des voix graves aux Mii. Je suis d'accord, il l'avait fait sur Mario Kart. Sur Mario Kart Wii. Et depuis, plus rien quoi. En fait, là, le thème, c'est golf tout-terrain quoi. C'est nique-toi, pas de tournoi, golf tout-terrain quoi. Super. Eh bah super, va dormir. Va dans ta chambre. Se repose sur le moins. Est-ce que j'ai le droit de bouger maintenant ou pas? Non, l'autre me saoule encore. Il n'y a toujours pas de boutique de fringues hein. Bah je sais que c'est du golf tout terrain. C'est chiant. Il n'y a pas de tournoi classique. C'est qualification golf tout terrain quoi. Ah mais c'est la qualification badge bronze déjà. Ça va vite. Je vais pas devoir faire 18 trous par contre. Tu m'as dit 9 mais Il y a une boutique de fringues, c'est un stand sur le côté du chalet. Le mec avec sa truc de patate là. Mais il disait qu'il pouvait rien faire pour nous aider. Ah, mes effets ont augmenté là. Ah, par contre, j'ai tiré trop loin, je pense. Ça va en vrai. Allez, en deux. On a dit en deux, ta race. Un scandale. Là, idéalement, il faudrait que je réussisse à remonter en prenant cette tornade, là. Donc, à peu près au milieu de mon tir, je mets une trajectoire à gauche. Yes. Sur quoi là? Alors je finis sur le green parfaitement bien positionné. Putain, c'est fou ça. Ah, par contre, les autres connards ils vont me saouler, ils vont me pousser, c'est ça? La tornade qui passe pas. Oh là là! Putain, mais c'est du génie! Trajectoire à gauche, mais t'envoies sur la droite. Ouais, c'est parce que j'ai confondu ma gauche et ma droite. Ne dites rien. Je finis sur le rough, ok. Donc là, le trou qui m'intéressait là. Ouais, ouais. Non, non, mais disais rien, disais rien. Disez rien, soyez pas méchant. Oh là là. Oh là là. C'est bon, ça va. Arrêtez d'être méchant avec moi. Arrêtez d'être méchant. Ok, donc là il faut qu'on étudie le terrain maintenant. Celui-là il est en contrebas. Celui-là il est à ma hauteur, donc on va y aller en fait, c'est ça. On va faire ça et on va se laisser porter par le vent comme des gros malades. Comme des gros tarés. Vas-y. Donc là normalement je suis un personnage de manga. Après avoir fait ce truc je fais IKE. Pour que ma balle parte plus loin. Oh non. Oh c'est un échec complet. Ça recommence. Ça recommence. Mais putain mais pourtant j'avais la bonne trajectoire. J'étais censé arriver de l'autre côté de ce merdier là. Et là, tu viens de voir le problème de la levée. La levée ? J'ai pas compris la levée.
Oh, non, échec, échec, échec. Ok, c'est bon, c'est réussi quand même. Parce que je suis un génie. Oh, par contre, je l'ai balancé tellement loin. Tellement loin. Dans le rough. Dans le fairway. Je peux tenter un put long. Je peux tenter un put bien long là. Grosse montée. J'ai cru que j'étais un génie du putter. Le putt impossible. Il est pas passé loin. Hein. Il est pas passé loin du tout. Hein. Ouais, j'ai cru aussi. L'espace d'un moment, là, je me suis dit je le fais. Et en fait, non. Donc là, celui-là, il est en hauteur, mais méga en hauteur. Je pense qu'il faut que je fasse le tour et après j'aille le chercher. Je vais d'abord aller chercher ceux-là. Drive, full. On va juste bourrer. Mettre la balle bien basse. J'ai pas compris le principe de la levée que tu t'as essayé de m'expliquer, Curry. Oh, ta mère! Oh là là, c'est horrible. On va recommencer. C'est pas possible. Comment on fait? On va recommencer. Attention. C'est terrible. C'est parti. C'est terrible. C'est super dur ce truc. En gros, quand tu mets ton effet vers le haut, la balle gagne en verticalité, mais du coup ça fait une belle cloche en termes de trajectoire. Oui, ça je comprends ça. Mais du coup, je comprends pas ce que tu essaies de m'expliquer. Oh, encore, même coup que tout à l'heure. Alors que pourtant, j'avais décalé. Tu gagnes, ça prend moins de distance. Du gagne, ça veut dire quoi? Du gagne, ça veut dire quoi du gagne? Du coup. Ça prend moins de distance. Ah, quand tu fais une levée, ça prend moins de distance. D'accord. Échec complet. C'est à nouveau passé, je suis un génie. Ça finit en rough, ça va pas. Ouais. On s'en tape, on va aller chercher la balle en hauteur. Ouais, la distance... Ok, d'accord. Et quand tu fais une balle plus basse, elle part... Je crois que je comprends le principe, mais quand tu fais une balle basse, elle part plus loin en fait. Donc en fait, j'aurais pas dû. Oh putain, le bunker fait chier. Allez, sprint un coup là. Bon, ouais, ça va, le bunker, je peux faire un chip-in sympa là. J'ai tenté une approche un peu globale, mais. Alors, où est-ce que je suis là? Je vais me mettre là. Le vent est dans mon dos, en montée. J'aurais dû la laisser y aller, j'aurais pas dû faire un backspin. Ok, 3 coups, 4 coups. Du coup, en fait, quand je veux la faire partir bien loin, en fait, pour moi, ça augmentait juste la prise au vent, mais en fait, c'est pas uniquement ça, quoi. Alors, on va aller jouer celui-là. Donc là, en fait, il faut que je fasse une balle bien basse, qui fonce bien droit, en fait. C'est ça, le délire. Comme ça, et là elle y va, c'est ça? Mais non, à nouveau pas du tout. À nouveau mensonge et honté de la part du modérateur. Pourquoi est-ce qu'il y va pas? Je comprends pas. C'est quoi le truc de la balle basse du coup? Quel est l'effet de la balle basse? Parce que je comprends que la balle haute elle est plus d'amplitude, donc moins de mouvement. Mais la balle basse, dans les deux cas, ta balle va moins loin. D'accord.
Eh ben, je me suis bien fait baiser. Est-ce que tu peux zoomer, s'il te plaît? Merci. Où est ma tornade? Elle est là. L'approche est sympa. Alors, on va tenter un long putt. Trop fort. Ok. Alors, la balle basse a deux utilités, faire des rebonds sur l'eau et réduire la distance quand la balle va rouler au sol. Ah ouais. Alors tu vois, typiquement, du coup, c'était loin d'être ce que j'imaginais, du coup. Donc en fait, là, il faut juste que je tire une balle standard. En fait, pour moi, ça jouait sur la prise au vent, mais pas du tout. Erreur complète, quoi. J'avoue que en vrai l'absence de voix grave ce rythme me gêne un petit peu aussi, mais bon. Ça ne donne pas envie de jouer mon mi en fait. Là je suis mieux, je suis pas tombé dans le trou, tout va bien. Je suis dans le rough, mais bon, on s'en fout. La balle basse, ça permet de faire passer sous les arbres par exemple. Tu fais des balles basses quand tu veux rester près du sol. Oui ça j'ai bien compris ça, mais pour moi du coup ça jouait sur le vent alors que pas du tout. Mais du coup, une balle basse, ça augmente le top spin normalement, non? La logique serait que la balle basse, ça augmente le top spin. Oula, oula, oula. Surtout qu'on a du choix en barbe maintenant. Pas trop, non? On a 6 barbes différentes et elles sont toutes nulles, non? Tu parles peut-être avec Mythopia, c'est ça? Je vais être porté par le vent là. Trop loin. Ah non, sur le green. Sur Wii, je me souviens pas des barbes, tu vois. T'es trop jeune, non? Ta balle rase le sol, donc elle perd beaucoup en vitesse. Et du coup, la balle levée, elle augmente les effets? Incroyable. Si t'as des notions en rebond au tennis, dis-toi que ça marche un peu pareil. J'ai pas de notion en rebond au tennis, malheureusement. Donc là, on va aller faire le tour et on va bourrer par là. On va se faire porter par le vent. Donc là, en fait, je mets rien. Moi je dois y aller, si tu joues cet après-midi, je serai sûrement là si t'as envie de taper Jobin en multi. Je pense que c'est ce que je ferai cet après-midi, Kiryu. Ouais. Ah ouais. Je pense que cet après-midi, ça va partir sur un tapage de balle en multi, en effet. Il y avait Chichi qui avait l'air d'être intéressé aussi, donc on va y aller comme ça, je pense. Je sais pas si c'était une très bonne idée de mettre un aussi gros effet à la fin, là. Connerie. Connerie, très grosse connerie. Regardez parce que je me suis mis là à la fin là, avec mon effet à la con. Putain. Tu sais vers quelle heure? En stream. Très probablement en stream. Et vers quelle heure? Je sais pas. Je dirais
le temps de manger et tout, tu vois, genre... euh... 15h peut-être. Sachant qu'idéalement, il faudrait que je passe à la boucherie quand même. C'est chiant. On va faire une balle bien incurvée là, regarde-moi ça. Rah. Oh, c'était une mauvaise idée ça, finir dans le rough ça. Putain. C'est une pénalité ça, non? C'est parti où là? Ok, ah bah très bien. Je sais pas si j'ai vraiment perdu des coups du coup, en vrai. Oui, en stream aussi sur Ruth, ouais, du coup. Vers 12h30, il prépare le club sandwich. Et à 13h, il est prêt à manger, il mange en même temps, c'est ça. Non, à 15h, je dirais. La tire à travers de la balle comme ça. Pas mal. Ok. Là, il va falloir jouer avec la tornade, là, c'est ça? Merde, non, c'est pas ça que je vais faire! C'est un échec complet. Je l'ai tiré basse, je suis un connard, je l'ai tiré basse, mais débile. Bah c'est une pénalité ça encore. Ah non, c'est le ref FP, ok d'accord, ok. Bah c'est encore une pénalité, c'est encore un coup de perdu, c'est génial. Ça va être dégueulasse, ça va être dégueulasse. Ça a jauné d'un truc bien là, ça part tout droit, regardez ça. C'est passé. C'est incroyable. Ils ont utilisé des monstres nuages qu'il y avait dans Odyssey, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est mon trou celui-là, hein. Ouais, ok. Un 16 coups, je suis pas serein. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, j'ai touché au stick comme un débile. Non, c'est pas grave, ouais. Faut que j'arrête de toucher à mon stick pour courir. Bon, en vrai, j'ai bien fait revenir la balle, c'est chouette. Ah, mais du coup, en fait, tu peux te démerder pour avoir un effet vers le haut pour augmenter les effets de ta balle juste à la fin de ta trajectoire, en fait. C'est impressionnant. Ah, trop loin. J'ai perdu un coup. Ok, donc là, on va aller chercher le trou qu'il y a tout là-bas. Mais ils ont utilisé pas mal de monstres. Hein. Pareil, ils ont utilisé les poké-poké. Non. Si, c'est ça. Les trucs dans les déserts, là. Bon, là, on va juste tirer comme un bœuf. Y'a pas eu d'effet qui est parti? Eh ben c'est dommage. Sorte de cactus, ouais c'est ça ouais. Les poké poké? Je crois que c'est... Non, c'est les poké poké dans Monster Hunter et eux c'est les poké... Les poké... Aucune idée. On a un vent comme ça, on va aller se mettre ici. Ils ont dit joli coup. Moi aussi la trajectoire m'a l'air pas mal. Oh là là. Mais c'est un coup de maître là. Les poké. Mais ça existe depuis longtemps. Ouais ouais. Ah oui, tu veux dire ce de Mario Galaxy c'est nouveau quoi.
Paf. Ça y va. Super, et donc là j'ai 10 coups pour aller chercher l'autre drapeau qui est un peu en hauteur. Où est-ce qu'il est celui-là là? Par là-bas en hauteur. Bah vas-y, on va bourrer hein. On va aller chercher le vent. Merde, 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 merde. Allez, vas-y, on s'en fout. On a réduit notre distance. Oh là 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 là, le vent qui a failli me troller à la fin là. Ça m'a mis au milieu des arbres cette connerie. Alors, Semirof. Oh, le vent qui m'a troll. L'arbre qui va faire chier. On va juste bourrer, je pense. Hein. Merde, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. C'est une connerie, ça va tomber. Oh, c'était un coup de génie. Incroyable, je sais même pas comment je l'ai fait. C'est incroyable. Alors là, la pente est chiante et il y a les deux connards. On va prendre un long putter. On va faire un put bien long là. Faire un put bien long là. Bien courbé. Merde, merde. Bon, c'est pas grave, c'est une approche sympa. En vrai, il fallait ça parce que les deux autres là, ils allaient me sortir ma balle. Ok, on est bien. Allez, on termine ce parcours de merde. Ok, avec 6 coups d'avance. Eh ben, c'est pas mal. Joli. C'est ce que tu disais quoi, Ruby? Les monstres de Mario Odyssey? Non. Badge chrome au badge bronze, 1000 pièces. Ah oui, donc c'est bien le passage au badge chrome. Il n'y a pas de tournoi ici, c'est terminé. Eh bien, super. Allez! Pour l'instant, j'ai pas du tout touché à ma vitesse et mon endurance. Il faudra peut-être que je m'en occupe un moment quand même. Je pense que là, j'ai mis les points de rab en effet. Je pense que je peux me permettre d'en perdre un petit peu. Je me suis bien joué d'ailleurs. Tes résultats de qualification sont excellents, je suis ravi de quoi. Super. C'est qui lui en fait? Je vais à la Rocadune. En attendant, tu pourrais aller rendre visite un ancien pro qui habite pas loin d'ici, son nom est Maître Singer. On va aller acheter des fringues du coup. Regarde, tu peux acheter un béret. Ouais, justement. Mais apparemment, c'est ici là. Ah, mais non, mais ça, c'est de la bouffe. Mais y a les fringues ici. Putain, mais je suis un connard. Oh, je suis un connard. Tenue d'attaque. Réduit la consommation d'endurance lors de sprints spéciaux. Réduit la vitesse, la perte de vitesse dans les pentes. Non, mais je pense que c'est bien ce que j'ai actuellement là. Je pense que c'est bien ce que j'ai actuellement. En vrai. Quoique ça, c'est bien ça. Mais les autres chaussures sont bien, je crois. Ouais, voilà. Réduire la perte de vitesse sur le rough, c'est bien en vrai. Je pense que les pentes, je m'en tape. Ok. Cette tenue rose est tellement classe. Ouais, ça va, ouais, c'est mignon, c'est rigolo. Ok, rendre visite à Maître Stinger. C'est lui, là? Connais-tu le formidable pouvoir que représente l'énergie? Ah non, bien sûr que non. Mais tu pourrais en prendre conscience en suivant mon enseignement. Suis-moi donc et apprends. J'ai un golfeur. Mais c'est une ref à Kermit, ça, non? C'est une ref à Dark Kermit? Nous y voilà, il y a au moins deux choses que je vais pouvoir t'apprendre cette fois-ci. Trois, si on y ajoute mon nom. D'abord, sur un parcours de golf, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le ciel est aussi bleu? Le ciel est-il d'un bleu radieux? L'eau, le piège humide pour la balle? La réponse à au moins l'une de ces questions risque de te surprendre, peut-être même de te déranger. Si ton objectif était d'envoyer la balle sur l'île de l'autre côté du lac, mais que le vent soufflait très fort, que ferais-tu? Et bien de suite frapper la balle sur une trajectoire basse et de la faire ricocher sur l'eau. Oh d'ailleurs, c'est bel et bien ton objectif. D'accord.
joues un stinger sur une balle, sur une trajectoire basse, la balle ricochera sur l'eau. Essaye donc tout de suite. Tu prends ce club. Tu as 10 coups pour faire atterrir la balle sur chacune des 3 cibles de cette île là-bas. Maître s'est apprêté le bois 3 carapaces vertes. Donc là, je dois aller là, faire une balle basse. Pra, 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 frac, frac. Oh, j'aurais pas dû mettre un top spin. Oh, c'est raté. Je suis allé trop vite. Dommage. Non, je suis un connard. C'est bon. Non, arrête-toi. Connasse. Vas-y, elle m'a saoulé. Je tire trop fort. Je suis trop une brute pour ce défi de merde. Mais ça recommence. Non, c'est bon, merci. Arrête-toi. Arrête. C'est du troll. Je vais mettre un backspin. Grosse vanne de merde. Arrête-toi. Backspin. Voilà, merci. Bien. Arrête-toi, arrête-toi, y'a un backspin, y'a un backspin. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, mais maintenant que j'ai compris le truc, ça va aller beaucoup plus vite. Super backspin. Dommage. Le troll intégral ? Dommage, le narrateur qui se fout de ma gueule quoi, c'est incroyable. Mais y'a du foutage de gueule sur ces derniers rebonds là. Putain. Dommage. Dommage que tu sois aussi nul. Mais arrête, 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 arrête! Je tape fort, je tape pas fort exprès! Dommage. Je vais réduire encore la puissance de mon coup et puis voilà! Tu peux t'arrêter? Dommage. Sinon, le souffleur est pas bien placé. Non, le but c'est de justement prendre la voie des. La voie de l'eau. Sinon, Maître Spinner est pas content. Écoutez, là, je peux pas faire moins fort, là. Sinon, je passe pas. Donc, à un moment, foutez-moi la paix. Backspin. De malade, merci. Oh, putain, quel enfer. Super, bravo. Bravo, tu as réussi la première partie de l'entraînement. Te voilà présent prêt à éveiller l'antique pouvoir de l'énergie qui sommeille en toi. Putain, le mic, il fait... Une fois que tu as accumulé assez d'énergie, tu peux les libérer en un coup spécial. Essaie de... Hein ? Essaie de frapper ce rocher ? Frappe ce caillou ! Le backspin, c'est en gros un effet de balle en arrière. La balle va tourner en arrière et en gros, quand elle va arriver avec une incidence comme ça. Sauf que vu qu'elle va tourner en arrière, elle va revenir un peu en fait. Donc ça va soit l'arrêter, soit vraiment la faire reculer. En fonction de la trajectoire de ta balle. Allez, on continue à gratter des mètres sur notre drive. Ah ! Il m'a donné le bois 3 carapace verte. Du coup, je t'ai pas vu péter le caillou. Ah, désolé. Bon, c'était pas très impressionnant en vrai. Mais enfin, on a quand même eu un entraînement de héros de shonen. Yes, la route de Rocadune est ouverte. Très heureux.
Je pense que du coup après en fait quand tu t'as bien de l'argent dans le jeu, tu peux te permettre de t'acheter toutes les tenues, tous les clubs et te faire un set ultra cracos pour ton mi en fait. On arrive dans la troisième ville. Jouer une partie d'entraînement de speed golf. Ah ouais, donc ça y est, le speed golf commence là, c'est ça? Entraînement au speed golf, vas-y. Il faut que je fasse 3 tours en speed golf, c'est nul. Alors la boutique, elle est où? Elle est là? Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Bois 3 carapace Kellerex. Donne une trajectoire basse qui permet à la balle de rebondir hors des bunkers. De rebondir hors des bunkers. Ralentit la déshydratation, réduit la perte de vitesse dans le sable, les bunkers et les fosses naturelles. Quelque chose me dit que ces deux tenues vont être très pratiques toutes les deux. Je sens que la déshydratation, ça va être terrible dans le désert là. Ah attendez, par contre, il y avait un sanglier spécial. Améliore le contrôle de la balle dans les bunkers. Ah bah oui, c'est parfait ça. Sandwich de poké. Merci bien pour ton achat. On va prendre ça plutôt, non, à la place du sandwich standard. Donne une trajectoire basse qui permet à la... Qui a la bruxche sur un obstacle sur l'eau. Ah oui, d'accord, en fait, tous ne peuvent pas le faire, quoi. C'est vraiment ce bois, en fait, qui permet de le faire. Cette truc très spécial. Ok, d'accord. Bah, on va juste remplacer ça par un... Ouais, on s'en fout. Hâte de voir les tournois officiels où le mi est autorisé. Ouais, ouais, ça va être intéressant, en vrai. Je pense que j'ai besoin de ça. Et je vais virer le sandwich standard. Pour mettre le sandwich poké. Le bois 3 carapace verte qui remplacera le bois 3... Je pense qu'on peut enlever le bois 3 normal. Mais ça fait forcément une trajectoire basse. TLM avec la même tenue. Tout le monde avec la même tenue, tu penses? Je sais pas en vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, le mi ça se max. Donc en fait, je sais pas si. Enfin, je pense que le mi ça se max en farmant. Donc je sais pas si ce sera très intéressant d'inclure les mi dans le jeu. Alors, ici à Rocadune, tu devras emporter une petite gourde d'eau et aller jouer 3 trous. La gourde. J'ai obtenu une petite gourde d'eau. Cette gourde contient juste assez d'eau pour jouer 3 trous. Garde aussi un œil sur ta jauge d'hydratation. Si elle se vide, la partie sera terminée. Qui dit mi autorisé dit chacun sa config Krakos qu'il maîtrise, donc en soit bof, non. Bah en vrai, non. En vrai, tant mieux. Tu vois, c'est chouette si t'as ta config Krakos que t'arrives à jouer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bien fait de prendre la tenue contre la déshydratation, du coup. Mais en vrai, je sais pas si... Bon. Tu vois, genre s'il y a une méta ou des trucs dans le genre. Votre hydratation diminue au fil du temps. Si je devine, vous perdez connaissance. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas un speed golf mesuré par le temps. C'est vraiment un speed golf mesuré par... Nique-toi, quoi. Ah, il est comme ça, hein, c'est parti, hein. Des pokés. Oui, oui, ils sont là. Le mec va perdre connaissance. Bah ça risque de m'arriver, ouais. J'aime pas trop cette perspective sur le rof, c'est génial. C'est terrible, il y a un moment où je peux faire un truc ou pas pour, pour ma jauge d'hydratation là. Oh, trop loin. À 7 mètres. Bon. Hâte de voir les bouteilles d'eau sur le terrain. Ouais, ouais. Ça va être pourri ce putt. Ça va être pourri ce putt. Ah, je déteste ça. Je suis passé à rien. À chaque fois, je passe à rien. On a un coup spécial pour le prochain là.
C'était pas, le problème c'était pas que c'était élevé, c'est qu'il y avait des trucs sur le côté. En parlant de ça, il faut s'hydrater de chaud. J'ai ma bouteille là à côté. Mais j'ai surtout une irrésistible envie d'aller aux toilettes qui ne se soldera que par la fin de ce stream. Pourquoi est-ce que c'est ce bois là qui est parti? Alors c'est un échec complet parce que la trajectoire était basse, mais sur le green, trou à 2 mètres. Let's go. Tout à fait, très bientôt. Putt de birdie, let's go. Ah, je suis un génie. Beau birdie. En fait là, la seule contrainte c'est de terminer avant que ma jauge se vide, donc bon, ça va en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh le rough déshydraté. Ça va être trop bizarre ça en vrai. Attention. Comment ça se passe? C'est peut-être une zone de pénalité du coup plutôt, non? Je suis à 202 mètres comme ça? Ça m'arrange pas 202 mètres. Ça m'arrange pas du tout. Si, parce qu'on a le vent, donc on va tirer comme ça et puis voilà. Hein. On va s'arrêter un tout petit peu avant. Terminer avant de littéralement mourir, c'est ça. Si tu meurs, tu perds. Ok. On est sur le fairway. On s'est très bien placé, je pense. Je pense qu'on s'est très bien placé. Oh là là, on est placé à la pointe extrême. Regardez-moi ça. À la pointe extrême du fairway, là. C'est incroyable, ce placement. En descente, vent de face. On va juste jouer comme ça. Oh là là, échec, échec, échec. C'est pas grave. Où est-ce que tu vas? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Sur le green, trou à 6 mètres. C'était assez intéressant comme exercice là. Je suis allé trop loin, je suis allé beaucoup trop loin. Putt de birdie. Putt de birdie. Et voilà. C'est le jeu de la vraie vie. Va jouer au golf dans le désert et meurs pas. Ok. Joli. Joli. Ok. Alors, on va se permettre de perdre de l'effet. Très bien. Wow, t'as fini la partie d'entraînement et tu as réussi à ne pas déshydrater, bravo. C'est la version alternative du foot sur l'autoroute. C'est quoi ça, le foot sur l'autoroute, Ayou? Ok. Très bien, bon bah là on part sur un 9 trous, donc malheureusement les vieux on va s'arrêter ici. Parce que un 9 trous ça va durer un sacré bout de temps. Mais ouais, je reviendrai en stream cet après-midi du coup. En attendant je vais aller aux toilettes et manger. Tu n'es pas devenu une chips, bravo. C'est ce qu'on dit chez moi. D'accord, ok, je connaissais pas le foot sur l'autoroute, c'est trop bien en vrai. Va jouer au foot sur l'autoroute. Trop bien, trop bien. Va jouer sur l'autoroute, mais j'adore cette expression. Elle est géniale en vrai. Donc bref, voilà les viewers, c'était Mario Golf ce matin. On rejouera probablement cet après-midi, peut-être plus en multijoueur du coup. Et puis voilà, oh là. Oh là, mais c'est quoi ces animations? Vous avez vu mon Mii? Il a sauté, il a littéralement fait... Aucune full rigide sur les jambes, vraiment. Le saut comme ça quoi. Incroyable. Allez, à cet après-midi les viewers. Pour du Mario Golf probablement, on reviendra à peu près vers 15h. Des bisous à vous et puis à plus si je reviens en stream. Ciao ciao!